Bien, mesdames et messieurs, je vous propose de prendre place, s'il vous plaît, pour cette séance du Conseil municipal du mardi 6 juillet 2021. Je vais commencer par les pouvoirs. Alors, Daniel Viala donne pouvoir à Daniel Macherzik. Samuel Torero, on salue toute la famille, donne pouvoir à Sylvain Levasseur. Sarah Rabault donne pouvoir à Nathalie Pecknard. Driss Akaoui donne pouvoir à Cindy Mugerin. Sébastien Mérien donne pouvoir à Caroline De Brouwer. Grégory Pape donne pouvoir à Nathalie Christophe. Zora Daïra donne pouvoir à Didier Morel. Et Annick Cavelan donne pouvoir à Philippe Chancelier. Nous allons donc désigner la secrétaire de séance, puisque je vous propose ce soir Noémie Audouze. Noémie, es-tu prête? As-tu un bon stylo? Est-ce que tout le monde est d'accord? Je pense que oui. Et nous allons commencer par l'approbation du compte-rendu de la séance du dernier conseil municipal, à savoir celle du mardi 1er juin dernier. Avez-vous des remarques sur ce compte-rendu, sur ce procès-verbal? Non? Alors je vous propose de passer au vote. Qui est pour? N'oubliez pas les deux mains lorsque vous avez deux mains. Unanimité, je vous remercie. Vous avez comme d'habitude la liste des décisions sur la table. Et j'appelle maintenant pour les déclarations. Avez-vous des déclarations tout d'abord dans l'ordre du jour? Nathalie Pecknard, sur quel sujet, Nathalie? Sur la jeunesse. Sur la jeunesse, y en a-t-il d'autres? Caroline De Brouwer, sur la ressourcerie. Y aura-t-il des déclarations en dehors de l'ordre du jour? Monsieur Barry, comme vous voulez. Alors, Madame Christophe. Oui, merci. Une déclaration suite aux élections départementales et régionales. Suite aux élections, très bien. Monsieur Barry. Une déclaration sur la transition. Sur la transition. Y en a-t-il d'autres? Raphaël. Une déclaration également sur les élections départementales et régionales. Sur les élections aussi, très bien. Et nous accueillons Driss Akaoui, donc je ne sais plus qui perd son pouvoir. C'est Cindy, tu perds le pouvoir de Driss. Voilà. J'ai également été destinataire de deux questions orales posées par Monsieur Barry, et je vous propose donc de les traiter en fin de conseil, Monsieur Barry. Quelques communications pour commencer. Alors nous allons parler justement élections. Élections départementales et régionales. Alors, les 20 et 27 juin derniers ont eu lieu les élections départementales et régionales. Alors, comme l'an passé, l'abstention a malheureusement été très élevée, tant localement que nationalement. Si la situation sanitaire pouvait être considérée comme largement responsable l'an passé, je ne crois pas que nous puissions nous réfugier derrière cette excuse cette année. Mauvaise distribution des professions de foi, communication faible sur les élections et leurs enjeux, et défiance croissante envers le monde politique forment un cocktail qui grève l'exercice démocratique. J'ai par ailleurs tenu à saluer très rapidement le binôme vainqueur de cette élection. Nous ne partageons pas les mêmes aspirations pour l'Assemblée départementale. J'espère que notre ville n'aura pas à souffrir de nouveaux tours de vis de la politique menée par la droite hégémonique au sein du conseil départemental des Yvelines. Vous pourrez compter sur notre équipe municipale pour y être attentif. Je voudrais également profiter de notre assemblée de ce soir pour remercier l'ensemble des présidents, secrétaires, assesseurs et scrutateurs qui ont permis la bonne tenue de ces deux tours de scrutin. Je remercie toutes celles et ceux pour qui les élections sont un rendez-vous régulier, mais aussi toutes celles et ceux, jeunes et moins jeunes, pour qui il s'agissait d'une première. Dans le même temps, je trouve par contre désolant, et je pèse mes mots, que nous ayons été obligés de rappeler leurs obligations d'élus aux conseillers municipaux d'opposition,
qui pour certains n'ont consacré qu'une poignée d'heures, contrairement à des habitants qui ont pris sur leur dimanche, malgré les contraintes familiales, malgré l'envie de profiter de leur temps libre, pour assurer le vote. Je rappelle que la participation à la tenue des bureaux de vote est pourtant la seule obligation réglementaire d'un élu dans son mandat. Dans cette Assemblée, nous avons régulièrement droit à des leçons de démocratie locale. Laissez-moi vous dire que la première des choses à faire est d'être exemplaire dans les faits et de répondre présent quand votre mandat vous le demande. Nous aurons d'autres échéances électorales dès l'année prochaine. J'espère que cette fois-ci, vous répondrez présent. Tout autre sujet. Vive l'été. Alors, malgré des débuts marqués par une météo capricieuse, les animations de Vive l'été ont bien démarré à Guyancourt, avec de nombreuses activités de loisirs, des concerts, des cinémas en plein air. Nous avons notamment eu droit à un beau samedi à la plage au gymnase des droits de l'homme. Et je vous invite à profiter, entre autres, du week-end à l'Ermitage des 17 et 18 juillet prochains, avec une belle programmation sur ces deux journées. Par ailleurs, la semaine prochaine, nous organiserons bien un feu d'artifice pour célébrer la fête nationale. Les GAP, et notamment le nouveau GAP sur la programmation culturelle. Il a été lancé le 28 juin dernier et il réunit 12 habitantes et habitants, amateurs des spectacles proposés par nos équipements culturels municipaux ou curieux de participer à cette initiative participative. Durant ces quelques mois d'exercice, ils vont apprendre à connaître le fonctionnement de nos équipements et auront à construire ensemble un parcours culturel pour finaliser en début d'année 2022 la programmation d'un spectacle, d'un concert et d'une exposition que les Guyancourtois pourront retrouver lors de la saison 2022-2023. Je rappelle que ce GAP sera un rendez-vous régulier puisque nous souhaitons le renouveler chaque année. Le CME maintenant, et notamment l'élection de la nouvelle maire enfant. Alors, ces élections se sont déroulées début juin et ont permis à 35 jeunes de notre ville d'être élus au sein de cette Assemblée. Et le 16 juin dernier, ils ont élu leur maire. Il s'agit de la jeune Aïcha Danja, qui était élève à l'école Robert Desnos et qui va rejoindre le collège l'an prochain, à la rentrée prochaine, en classe de 6e. Durant 2 ans, elle va mener cette nouvelle équipe et accompagnée du service du CME, que je remercie ici, ils vont mener, j'en suis sûr, de beaux projets pour la ville. J'ai eu l'occasion, autre sujet, de rencontrer dernièrement, c'était le 17 juin dernier, le nouveau président du directoire de la Société du Grand Paris, M. Monteil, et j'ai pu échanger avec lui sur les enjeux de notre territoire dans le cadre du Grand Paris Express et de l'arrivée à Guyancourt de la ligne 18. Je lui ai rappelé nos exigences et notamment que la gare, comme le quartier des Savoirs qui l'environnera, soit exemplaire, tant en sa qualité architecturale que dans ses aspects environnementaux. Que la gare soit une centralité de quartier, mais aussi une centralité pour la mobilité. Elle doit être pensée dans ses interconnexions avec les autres réseaux de transport existants, le TCSP, le RER, mais aussi les circulations douces, pistes cyclables, chemins piétonniers et autres. Une enquête publique a lieu en ce moment depuis le 28 juin et jusqu'au 30 juillet. Elle concerne les modifications qui ont été apportées au projet de ligne 18. Modifications apportées à la déclaration d'utilité publique initiale et mise en compatibilité des documents d'urbanisme. 2 permanences du commissaire enquêteur auront lieu en mairie de Guyancourt, le mardi 13 juillet de 14h à 17h et le jeudi 22 juillet de 17h à 20h. Et une réunion publique a lieu ce soir au pavillon Valdec-Rousseau. Enfin, je vous annonce qu'un nouveau commissaire de police a été nommé à Guyancourt. En effet, le commissaire Romano nous quitte pour de nouvelles fonctions. Il est remplacé depuis le 1er juillet par le commissaire Raphaël Bougeois. Alors que la convention police municipale, police nationale sera soumise ce soir à notre conseil municipal, sachez que j'aurai à cœur de poursuivre avec notre commissaire les échanges réguliers que j'entretenais avec son prédécesseur. L'objectif est d'assurer les bonnes relations de travail entre les services de l'État et notre police municipale, notamment dans une phase où nous allons faire évoluer cette dernière.
et nous pouvons commencer avec le premier point sur la transition avec Raphaël, je crois que c'est toi qui commence. Bonsoir à tous. Donc ce premier point en fait couvre deux conventions, donc je vais essayer d'être le plus clair possible pour les présenter. Donc il s'agit d'abord d'une convention que nous allons passer pour une remise en gestion à la commune par l'établissement public foncier d'Île-de-France de locaux situés au 43 rue de Dampierre. L'objectif en fait qu'on porte avec cette remise en gestion vers la ville est l'installation d'une ressourcerie. Donc c'est pour ça que ce point est abordé au sein de ce sujet de transition écologique. Donc l'histoire en fait de ce bâtiment, c'est qu'il s'agit d'un ensemble de lots de copropriétés qui sont situés au 43 rue de Dampierre. Et comme ils font partie d'une opération de maîtrise foncière sur le secteur Rigole-Dampierre-Croisat, il a été possible en fait pour l'établissement public foncier d'Île-de-France d'acquérir l'ensemble de ce lot il y a déjà quelques années. Donc il s'agit d'un certain nombre de bâtiments qui sont décrits dans le point de l'ordre du jour. Donc trois bâtiments d'une superficie de 326 mètres carrés. L'objectif de la convention est de transférer la gestion de ces bâtiments vers la ville dans un premier temps, afin que nous puissions ensuite transférer ces locaux vers l'entité qui portera la ressourcerie, en l'occurrence l'association Ressourcez-vous. Nous avons effectivement reçu l'association Ressourcez-vous à plusieurs reprises depuis quelques mois, et nous avons ensemble élaboré un projet qui nous a paru très intéressant pour viser l'installation de deux activités sur les quatre que porte une ressourcerie dans ces locaux, à savoir une boutique solidaire qui permet donc de vendre des objets qui ont fait l'objet de réemploi, et des ateliers de sensibilisation, là encore pour des visées de réemploi. Donc l'objectif est de mettre gracieusement ces locaux à disposition, puisque dans le passage de convention entre l'EPFIF et nous, il n'y a pas de contrepartie financière vers l'EPFIF. Donc de même, nous transférons la capacité à l'association Ressourcez-vous de jouir de ces locaux, tout en contrepartie en payant quand même les fluides et un engagement de cette association à mener certaines actions en collaboration conjointement avec la ville, notamment des actions de sensibilisation dans le cadre de la fête du développement durable ou d'autres manifestations de la municipalité. Voilà, l'ensemble des documents annexés ont été parcourus en détail pendant la commission transition écologique démocratie permanente du 22 juin. Donc, je ne vais pas parcourir l'ensemble des articles de ces conventions. Ils définissent en fait le cadre de passage donc, de témoins entre l'EPFIF et nous, puis de nous, ville, vers Ressourcez-vous. Prendre les questions si vous en avez. Donc, si vous avez des questions sur ce qui se traduira par deux délibérations, voilà. Monsieur Barry. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir à ceux que je n'ai pas salués tout à l'heure. C'est deux demandes de précision plus que des questions. Par rapport au bail qui sera signé avec l'association, si ma compréhension est bonne de la note de synthèse et des annexes, ce sera un bail d'un an, en fait. Donc, pourquoi un bail d'un an et pourquoi pas un bail plus long? Et puis, la deuxième question ou demande de précision, c'est par rapport au coût. Certes, il y aura un coût zéro pour l'association. Donc, il n'y a pas de problème avec la ressourcerie. Je crois que toutes les listes aux dernières municipales étaient d'accord sur le fait d'avoir une ressourcerie sur Guyancourt. En revanche, je pense qu'il y aura des coûts pour la commune, au niveau de l'entretien du bâtiment, peut-être. Enfin, je sais pas, est-ce que vous avez estimé des coûts et est-ce qu'il y en aura pour la commune, en fait, pour la collectivité? Je vais répondre effectivement aux deux points dans l'ordre. Donc, sur la durée de convention, en fait, nous sommes effectivement soumis à cette temporalité d'un an parce que justement, il s'agit d'un bâtiment qui s'inscrit dans l'opération ZAC Ambroise-Croisat d'Ampierre. Et donc, on est en fait effectivement conventionné nous-mêmes avec l'EPFIF sur une durée qui va nous amener à cette échéance par rapport au projet porté globalement. Ça ne veut pas dire en fait qu'à l'issue de cette échéance, on ne sera pas en mesure de renouveler. Mais en fait, on ne pouvait pas étendre en fait cette durée plus loin que ce qui nous encadre plus globalement sur cette zone-là vis-à-vis de l'EPFIF. Donc, c'est la raison pour laquelle on a fait ça en toute transparence avec Ressourcez-vous qui ont accepté en fait cette échéance courte, mais qui savent être potentiellement reconductibles assez facilement. Ça, c'est pour le premier point.
Sur le deuxième point, avant en fait, la mise en convention en fait, avec l'EPFIF, nos services bâtiments ont effectivement fait le tour du bâtiment pour faire un état des lieux général et estimer s'il y avait le moindre souci sur la qualité du bâtiment, et ce n'est pas le cas, c'est-à-dire il n'y a pas de reprise majeure évidemment sur le bâtiment à faire. Il est en très bon état. Hein. C'était un local qui apparemment abritait à la fois un logement et puis des activités commerciales et qui ne s'est pas du tout dégradé depuis son non-utilisation. Sur l'entretien courant, il sera quand même, je dirais, à la charge plus de l'association, dans le sens pour vraiment avoir l'entretien courant de la cour notamment, ou même du tout venant. Il n'y a pas d'anticipation en fait, de reprise majeure au niveau de ce bâtiment du tout. Voilà. Donc ça a été évalué et c'est effectivement aussi l'objet du PV d'entrée en fait, qui sera fait avec les PFIF aussi de bien mettre ça à plat. Avez-vous d'autres remarques ou questions? Ça ne semble pas être le cas. Donc nous allons voter en deux temps. La première délibération concerne donc la remise en gestion à la commune par l'EPFIF de ses locaux au 43 rue de Dampierre. Donc pour cette remise en gestion, qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Et la deuxième délibération concerne donc la conclusion de la convention de mise à disposition de ces mêmes locaux entre la ville et l'association Ressourcez-vous. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Et je crois que nous avons une déclaration. Oui, bonsoir à tous. C'est une déclaration du groupe Guyancourt pour tous. Décidons ensemble à Guyancourt. Il s'agit de l'un de nos engagements de campagne. Le voici réalisé en à peine une année de mandat. Guyancourt accueillera dès septembre prochain la première ressourcerie pérenne de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle a plusieurs vocations, sociales, économiques et écologiques. Écologique car elle collecte et répare des objets et agit pour leur réemploi. Elle contribue donc à réduire la consommation et le gaspillage de ressources, ainsi que les déchets sur notre territoire. Elle proposera également des opérations de sensibilisation à la protection de l'environnement, sous la forme d'ateliers, de portes ouvertes et de repair-cafés. Économique car elle produit de la valeur ajoutée à l'échelle locale, en valorisant et améliorant les objets donnés, dans une logique d'économie circulaire. Et enfin sociale, car la ressourcerie revendra des objets collectés à prix solidaire, permettant ainsi à des personnes à revenus modestes de se fournir en équipement de maison, vêtements ou meubles. Cette vocation sociale est renforcée par la création d'emplois en réinsertion. Nous appuierons les candidatures locales auprès de l'association porteuse Ressourcez-vous, comme nous le faisons à chaque fois qu'une entreprise ou une association avec des permanents s'installe dans notre ville. Cette nouvelle ressourcerie s'inscrit directement dans la politique volontariste menée depuis de nombreuses années par la municipalité en matière de transition écologique, et il s'agit de l'une des 30 mesures du pacte signé le 1er juin dernier. La ressourcerie prolonge les mesures déjà prises, comme les jardins partagés, ou déjà lancées, comme la rénovation énergétique des bâtiments publics, ou les actions en faveur du logement pour tous. Nous ne doutons pas que ce nouveau dispositif trouvera ses acteurs pour le faire vivre. Il s'agissait d'un besoin exprimé par les Guyancourtoises et Guyancourtois. Le voici désormais engagé. Merci. Merci à toi, Caroline. Tu n'oublieras pas de nous donner le texte de ta déclaration. Deuxième point, égalité femmes-hommes, et je vais présenter ce point. Il s'agit de vous proposer de signer la Charte européenne sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale. Alors, quelques rappels réglementaires. Donc, c'est la loi du 4 août 2014 ainsi que le décret du 24 juin 2015 qui prescrivent aux collectivités territoriales et aux EPCI de plus de 20 000 habitants d'élaborer un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les hommes et les femmes préalablement au débat sur le projet du budget. Le 16 mars dernier, je vous ai présenté en séance du Conseil municipal le rapport annuel, nous vous avons présenté, pardon, le rapport annuel en matière d'égalité femmes-hommes. Et nous avons tenu à confirmer notre souhait d'ériger la politique en matière d'égalité entre les femmes et les hommes au rang de politique publique transversale. Je vous ai proposé alors publiquement de signer cette charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Elle a été rédigée il y a une quinzaine d'années maintenant dans le cadre d'un projet mené à bien par le Conseil des communes et régions d'Europe.
Alors, cette charte est composée de 30 articles. Je n'en ferai pas la lecture exhaustive ce soir. Et elle pose précisément un cadre général sur l'égalité entre les femmes et les hommes à adopter au sein de chaque commune signataire, autour de 6 principes fondamentaux. Alors, ces 6 principes, ça vaut la peine qu'on s'y arrête un petit peu. Premier principe, l'égalité entre les femmes et les hommes constitue un droit fondamental. Deuxième principe, les discriminations doivent être prises en compte pour traiter de l'égalité. Troisième principe, la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision est un préalable de société démocratique. Quatrième principe, l'élimination des stéréotypes sexués est indispensable pour l'instauration de l'égalité entre les femmes et les hommes. Cinquième principe, intégrer la dimension du genre dans toutes les activités des collectivités et des régions est nécessaire pour faire avancer l'égalité. Et enfin, sixième principe, des plans d'action et des programmes adéquatement financés sont des outils nécessaires pour faire avancer l'égalité des hommes et des femmes. La signature de cette charte nous engage puisque nous avons un délai maximum de 2 ans après signature pour proposer un plan d'action. Et donc, c'est bien un réel engagement que nous vous proposons ce soir pour, au moment de signer cette charte. Voilà. Je vous propose donc d'approuver la charte et donc de pouvoir la signer. Je répondrai évidemment, nous répondrons à vos questions si vous en avez. Quentin. Oui, juste une petite intervention pour rappeler que la question de l'égalité femmes-hommes à Guyancourt, ce n'est pas nouveau, et que c'est inscrit dans l'ADN de Guyancourt depuis très longtemps, et qu'au-delà de des limites des lois, en tant que collectivité, aujourd'hui à Guyancourt, de nombreuses mesures sont déjà prises pour garantir et favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, j'ai noté quelques petits points non exhaustifs des politiques menées sur Guyancourt. Tout d'abord, sur la question des lieux et des endroits, puisqu'on a déjà 53 équipements, rues, places et autres qui portent le nom de femmes. Et depuis 2010, les dénominations sont totalement paritaires. Depuis 9 ans aussi, chaque mois de mars est consacré au temps des femmes pour promouvoir l'égalité femmes-hommes et lutter contre les stéréotypes à travers les activités culturelles en lien avec l'éducation nationale, l'agglomération et d'autres associations. Encore dans la culture, sur la ferme de Belle-Eva, depuis maintenant de nombreuses années, la programmation est également paritaire. Il ne faut pas oublier aussi qu'à Guyancourt, nous avons accueilli la plateforme nationale de signalement des violences sexuelles et sexistes, avec quand même 5000 signalements en un an. Il y a eu aussi un effort sur la question des crèches, les crèches qui permettent aussi aux femmes de retrouver le travail plus rapidement et donc de favoriser l'emploi féminin. Nous avons aussi la structure, l'école des parents, qui a aussi un rôle important à jouer au sein des familles, et notamment en direction des femmes qui élèvent seules leurs enfants. On a aussi toute la politique sportive de la ville, avec toutes les mesures pour encourager le sport féminin et encourager les femmes et les filles à faire les sports qui aujourd'hui sont trop peu féminisés. Il y a également tout un arsenal d'actions qui sont menées à travers les jeunes, donc à travers de nos crèches jusqu'au phare jeunesse en passant par le point jeune, avec aussi nos équipes dans le périscolaire qui sont formées sur ces questions-là, des équipes qui d'ailleurs sont aussi mixtes, qui fait que les enfants sont toujours en contact avec, des hommes comme des femmes, avec toujours cet objectif-là de, dès le plus jeune âge, encourager à l'égalité femmes-hommes. Merci. Pour vous donner quelques repères, cette charte européenne, elle a été signée à l'échelon national par 298 collectivités jusqu'à maintenant et à l'échelon européen par 1200. Voilà. Bénédicte. Je voulais me réjouir de cette signature qui arrivera, je pense, à la rentrée et cette délibération. Et je voulais rajouter aussi que ça rentre dans un projet aussi que François Morton a donc défendu à la communauté d'agglo, en rappelant que nous allons être adhérents au niveau de la communauté d'agglo de l'association Aubertine Eau Claire. Et je pense que c'est aussi une ressource importante pour travailler dans ce sens-là. Voilà, donc un grand merci pour cette charte qui va être signée prochainement et je pense que nous tous habitants, nous pouvons être que fiers. Voilà. Merci à toi. Avez-vous d'autres interventions sur ce point ? Non, donc je vous propose de passer au vote. Donc pour la signature de cette charte européenne sur l'égalité entre les femmes et les hommes
dans la vie locale qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Et nous passons au point suivant, qui est un point administration. Bénédicte, c'est à toi. Un point administration concernant la modification statutaire relative aux compétences de Saint-Quentin-en-Yvelines. Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite procéder à une modification des statuts qui consiste à ajouter une nouvelle compétence et à effectuer des mises à jour afin notamment de se mettre en conformité avec la loi. La nouvelle compétence facultative porte sur la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur l'ensemble de son territoire, afin de garantir un service harmonisé sur le territoire. Par ailleurs, Saint-Quentin souhaite également apporter des mises à jour, dont la simplification de l'écriture de la compétence numéro 7 espace vert et avec une mise à jour du plan. Les suppressions de la référence au réseau câblé et coaxial de la compétence facultative numéro 6, sachant que nous ne sommes plus chez SFR. La suppression de la compétence facultative numéro 4, aménagement de l'espace communautaire devenu redondante suite à son passage en compétence obligatoire. Et une précision apportée à la compétence numéro 9, mobilier urbain, avec la mention de l'installation du jalonnement directionnel routier d'épaule des équipements communautaires et des itinéraires cyclables structurants de l'agglomération, sachant que c'était une mission déjà réalisée par les services de la Saint-Quentin-en-Yvelines. De plus, à la demande de la préfecture des Yvelines, Saint-Quentin est tenu à mettre ses statuts en conformité avec la loi Engagement et proximité. Cette mise à jour consiste à remplacer le terme « compétence optionnelle » par « compétence supplémentaire ». Ces projets de modification étaient soumis au vote au Conseil communautaire du 27 mai 2021 dernièrement et transmis ensuite aux communes pour avis lors des conseils municipaux. Un arrêté préfectoral actera les nouveaux statuts. Donc il est juste demandé d'approuver les nouveaux statuts de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous les avez en totalité à l'annexe 5 et ils ont été présentés lors de la commission intercommunalité du 29 juin 2021. Alors, Bénédicte, si tu me permets, avant que je ne prenne les questions, d'apporter un petit complément d'information. Cette délibération est passée en conseil d'agglomération lors du dernier ou de l'avant-dernier, je ne sais plus, conseil, je crois que c'était l'avant-dernier conseil communautaire. Il existait une mise à jour concernant justement cette compétence numéro 7 sur les espaces verts. Jusqu'à présent, dans les statuts de Saint-Quentin-en-Yvelines, il y avait une borne qui existait sur ces espaces verts, c'était la borne des 5 hectares. En deçà de 5 hectares, la gestion de ces espaces verts était d'ordre communal, j'ai envie de dire, et au-delà, intercommunal. La première mouture que nous avons vue passer en conseil communautaire faisait tomber cette référence aux 5 hectares de limite. Nous avons donc en conseil communautaire, les élus de la minorité communautaire ont demandé à ce que cette borne soit remise. Ça a été refusé par le président de l'agglomération lors du vote. Et il y a donc eu un premier vote où toute la majorité communautaire s'est prononcée pour cette modification et évidemment la minorité contre. Suite à réflexion, on va dire ça comme ça, en cours de séance, le président a proposé un amendement qui remettait cette borne des 5 hectares. Et nous avons donc procédé à un second vote en séance avec remise de cette borne de 5 hectares et nous avons donc bien évidemment voté pour. Voilà. Pourquoi ces 5 hectares pouvaient être problématiques pour la ville de Guyancourt, vous le savez bien évidemment. C'est notamment avec l'horizon de l'arrivée du quartier des Savoirs et notamment du Parc Sud, voilà, qui pouvait effectivement poser problème pour notre ville. Donc il n'y a plus de changement sur cette borne des 5 hectares, elle demeure toujours. Voilà, et donc Bénédicte a dit le reste. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions. Donc pour cette modification statutaire relative aux compétences de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est pour ?
unanimité. Je vous remercie. Et nous passons au point suivant, qui est un point culture, et c'est toujours Bénédicte. Le point culture est un ajout sur les tarifs de location des instruments de musique de l'école municipale. Le règlement intérieur en vigueur de l'école de musique offre la possibilité de louer un instrument de musique à l'année. Les instruments aujourd'hui disponibles à la location sont dans le tableau que vous avez eu sur le déroulé du conseil municipal, valable à partir du 1er septembre 2021. Et sont déclinés ainsi, avec donc un calcul quotient familial et deux catégories. La catégorie 1 comprend donc les cors, les cornets, les trompettes, les clarinettes, les piccolos, les altos, les trombones, les flûtes traversières. La catégorie 2 comprend les clarinettes basses. Il y a une petite erreur, ce n'est pas deux instruments, mais c'est la clarinette basse qui est une clarinette beaucoup plus compliquée que la précédente. Le basson, les hautbois, les saxophones, le tuba, les violoncelles, contrebasses, bien sûr, c'est des instruments beaucoup plus gros et beaucoup plus compliqués. Vous avez donc sur cette feuille les quotients pratiqués suivant les deux catégories. Et nous proposons de rajouter deux instruments. En effet, les guitares sèches et les bongos vont être ajoutés dans la catégorie 1, puisque jusqu'à présent, ce n'étaient pas des instruments qui étaient loués. Voilà. Donc, il est demandé au conseil municipal de délibérer afin d'approuver ces nouveaux tarifs, ce complément de tarifs. Donc, si vous souhaitez louer une clarinette basse, vous savez tout ce soir. Avez-vous des questions sur ce point, Monsieur Barry? Alors, pareil, une demande de précision par rapport aux instruments. Combien de guitares allez-vous mettre, juste pour savoir, sachant que c'est une très bonne idée de pouvoir mettre à la location tous ces instruments. Et puis, à voir, alors en 2020, forcément, il n'y a pas eu beaucoup d'activité, mais en 2019, est-ce que vous avez le taux de location? Est-ce que tous les instruments sont loués? Comment ça se passe globalement? Je n'ai pas tout à fait les réponses par rapport au nombre d'instruments que nous avons, et ça, je pourrais vous les communiquer, parce que... En fin de saison, quand je parlais du nombre, en fait, par rapport aux guitares, je n'ai pas l'information exacte, je peux me renseigner et vous la transmettre, sachant que, en effet, on a tous les élèves ne louent pas tous par ce système-là. Certains la possèdent, mais je pense que c'est le cas d'élèves qui sont déjà plus avertis. Par contre, la location se fait en effet toute l'année, et les instruments sont gardés pendant l'été pour que les enfants et les jeunes puissent garder et s'entraîner pendant les vacances scolaires. En plus de cette location, ils doivent prendre une assurance, et nous avons quand même un parc un petit peu important d'instruments, mais que je pourrais faire évaluer parce qu'on fait l'inventaire tous les ans. Voilà. Merci. Mais en effet, le nombre exact, je ne peux pas vous dire. Et je pense qu'il y a certainement près de 50% des élèves qui réservent par ce biais-là. Merci, Bénédicte. Avez-vous d'autres questions? Donc, pour ces tarifs de location des instruments de musique de l'école municipale de musique et de l'ajout de ces deux instruments, et afin d'approuver les tarifs, qui est pour ? Unanimité, je vous remercie. Je passe la parole à Roger Adélaïde pour le point commerce. Oui, bonsoir. Il s'agit de la deuxième phase du dispositif d'aide au soutien des commerçants de proximité de l'artisanat. Le département des Yvelines a adopté le 5 février 2021 la mise en œuvre d'une deuxième phase du dispositif départemental d'aide d'urgence accompagnant le bloc communal pour soutenir les commerçants et artisans avec des évolutions adaptées au nouveau contexte. Ce dispositif a offert la possibilité aux communes d'aider les commerçants et artisans à faire face à leurs échéances immobilières, loyers ou échéances d'emprunt pendant la crise. Dans le cadre de la compétence d'aide à l'immobilier d'entreprise, conformément à l'article L 1511-3
du Code général des collectivités territoriales et de permettre aux communes et EPCI, établissements publics bien sûr, de se faire financer auprès du conseil départemental. Par délibération numéro 20-21-03-14 du 16 mars 2021, le conseil municipal a approuvé la création de ce dispositif. On avait déjà voté d'aide d'urgence exceptionnelle communale à l'immobilier d'entreprise à destination des établissements éligibles de la commune. La ville a soutenu ses commerçants en les aidant, notamment à constituer leur dossier. Et je le dis, ce n'est pas une petite affaire, parce que certains commerçants ne connaissaient pas tout à fait leur RIB, ne connaissaient pas. Ils avaient confiance à 100% avec leur comptable. Donc, c'était compliqué de monter les dossiers avec eux. Mais nous sommes arrivés. Par délibération numéro 20-21-04-31 du 6 avril 2021, le conseil municipal a autorisé le maire à solliciter auprès du conseil départemental une subvention de montant de 149 722 euros, supérieur à la première phase, bien sûr, conformément au tableau joint. Considérant la nécessité de signer avec le département une convention définissant, d'une part, les engagements réciproques que prennent le département et la ville dans le cadre du financement au titre de la deuxième phase du dispositif départemental d'aide d'urgence au bloc communal pour soutenir le commerce et l'artisanat, et d'autre part, les modalités de versement du financement départemental. Il est demandé au conseil municipal de les délibérer afin d'approuver les termes de la convention avec le département des Yvelines dans le cadre du dispositif d'aide d'urgence au bloc communal pour soutenir le commerce et l'artisanat. Vous le verrez en annexe numéro 6. D'autoriser le maire ou son représentant à le signer afin, ainsi que tout acte y afférent, et d'autoriser bien sûr le versement des subventions attribuées à chacun des commerçants listés en annexe de la convention. Merci Roger. Ce dispositif d'aide d'urgence au soutien des commerces de proximité et de l'artisanat dans sa phase numéro 2. Avez-vous des questions, même si c'est un sujet que... Monsieur Barry. Je t'ai dit que la question... Peut-être juste une précision concernant l'aide, le soutien qui a été fait aux commerçants pour constituer leur dossier. Est-ce qu'il y a eu d'autres actions menées par la ville au niveau pour aider les commerçants pendant cette période ? Soutien, je ne vois pas la question. C'est-à-dire que notre responsable du service voyait ses commerçants tous les jours. Pratiquement, hein, il les avait au téléphone. Le soutien qui était, c'est-à-dire de les encourager et puis de les encourager, bien sûr, à rentrer dans l'espace numérique, c'est-à-dire à travailler sous le numérique, chose qu'ils ne connaissaient pas tout à fait, et aussi à, bien sûr, faire de la livraison. C'est deux choses principales sur lesquelles on a travaillé avec, livraison et puis l'aide à l'espace numérique. Je rajouterai, M. Barry, que... Alors, je ne sais pas en fait de quelle période vous parlez, mais si on remonte sur la période depuis mars 2020, je me souviens avoir été le premier à apporter des masques aux commerçants à une époque où l'État n'était pas en capacité de pouvoir en distribuer, où le département non plus n'était pas en capacité de pouvoir les distribuer. Je vous rappelle aussi l'exonération des terrasses au moment où ils ont pu rouvrir. Et ainsi de suite. Et des mesures comme ça, il y en a eu depuis maintenant presque 18 mois. Christian ? Oui, peut-être un complément de réponse pour M. Barry. Si ces dossiers n'avaient pas été montés, si ces aides n'avaient pas été apportées, et le département a fait appel aux communes parce qu'il ne savait pas le faire de manière efficace et rapide, il y aurait eu beaucoup de défaillances. À ce jour, les avances financières qu'ont reportées les communes, 149 000 euros, 67 000 si j'ai bonne mémoire dans la première phase, ont permis qu'à ma connaissance, il n'y ait eu aucune défaillance. Donc c'est un bilan, enfin vous parlez de moyens, le résultat
et une certaine efficacité assez évidente. Mais il y avait, juste pour répondre, il n'y avait pas de remise en cause de ma part. Au contraire, je pense qu'effectivement, le fait d'aider les commerçants, ce n'était pas une mince affaire et que ça a dû occuper le personnel de la mairie pendant un bon moment. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Ali. Oui, c'est juste pour dire ma surprise par rapport au questionnement de monsieur Barré. Alors, je comprends qu'il dit au final que ce n'est pas une remise en cause, mais quand même... ou bien M. Barry a été présent physiquement, mais pas forcément, n'a pas intégré l'ensemble des informations que nous avons régulièrement égrenées dans le cadre des différents conseils municipaux qui y ont eu lieu, ou bien les différentes informations diffusées sur les réseaux, notamment sur le site de la ville, lui ont échappé. Ou alors, il a envie de diffuser un message qui, pour le coup, m'interpelle. Mais encore une fois, alors du coup, monsieur le maire, je m'apprêtais aussi à le faire, et merci d'avoir égrené l'ensemble des actions que nous avons faites, mais je suis surpris quand même de la question de monsieur Barry. Ça, c'était pour nous rafraîchir la mémoire. Donc, sur ce dispositif d'aide, y a-t-il d'autres interventions? Je ne crois pas. Donc, nous allons passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Roger, c'est toujours à toi, mais pour les points personnels maintenant. Bien sûr, donc c'est un sujet récurrent, bien sûr. C'est la mise à jour du tableau des effectifs. Je mets mes lunettes. Conformément à l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifié, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés ou supprimés par l'organe délibérant. Bon, c'est une phrase que vous avez l'habitude d'entendre en général. Hein. Il convient de modifier le tableau des effectifs en supprimant, bien sûr, et en créant des postes afin de permettre l'évolution de carrière des agents et de s'adapter à l'évolution des besoins des services. Ces modifications répertoriées en annexe sont soumises à l'avis du comité technique le 30 juin 2021. Ont été soumises. Il y a une petite coquille. Oui, je confirme. Excuse-moi, je confirme que ce point a bien été soumis lors du dernier. C'est déjà fait. Voilà. Il est demandé au conseil municipal de délibérer afin d'approuver la mise à jour du tableau des effectifs avec suppression et création de postes correspondants. Mesdames, messieurs, avez-vous des interventions sur ce premier point concernant la mise à jour du tableau des effectifs? Non. Alors, qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Deuxième point, Roger, si tu le veux bien. Oui, deuxième point, toujours aussi récurrent, hein, c'est la mise à jour de la liste des logements de fonction. Dans le cas de la participation du personnel au dispositif des astreintes, je dis bien des astreintes, il est proposé de mettre à jour la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction est attribué pour utilité de service. Il est demandé au conseil municipal de délibérer afin d'approuver la modification de la liste des logements de fonction dont l'état récapitulatif a été adopté en séance du conseil municipal du 2 juillet 2015. Vous verrez tout ça en annexe. Il s'agit bien sûr que de deux logements cette fois-ci. Et je ne sais pas si Monsieur le maire doit non. dire aussi qu'on a mis sur nos tables aussi... Oui. Avez-vous des oui. questions? Oui, Monsieur Barry. Alors, c'est juste une question à laquelle vous répondrez en fin de conseil, puisque ça fait partie des questions orales que je vous ai envoyées. Sur ce point-là, je peux peut-être y répondre maintenant. Hein, allez-y. C'est comme vous voulez. Enfin, la question, je peux la reformuler pour mes collègues. En fait, on avait demandé... il y a eu, deux reprises lors de conseils municipaux, on a abordé ce type de délibération. Ouais, et ce que nous avions demandé pour nous, les nouveaux élus, et pour vous aussi, les nouveaux élus de votre groupe, c'est d'avoir la liste en début de mandat des logements de sociaux, des logements de fonction, puisqu'on ne l'avait pas tout simplement. Donc c'était juste ma question. Je vois qu'elle est sur table. Donc oui, voilà. C'est très bien. Effectivement. Donc je vous avais dit à l'époque qu'elle vous serait communiquée à une prochaine mise à jour. C'est le cas. Et nous avions donc bien prévu de vous la communiquer. Vous l'avez tous trouvée sur votre table ce soir. Voilà.
Donc, pour approbation donc, de cette modification de la liste, de cette mise à jour, pardon, de la liste des logements de fonction, qui est pour ? Unanimité, je vous remercie. Roger, c'est toujours à toi. Oui, donc il s'agit d'un point qui est un point nouveau, même si la rémunération des pigistes, c'est quelque chose qu'on a eu régulièrement. Mais le point nouveau, c'est la rémunération par rapport à la vidéo. Donc c'est une modification. Par délibération numéro 2016-04-68 du 8 avril 2016, le conseil municipal a fixé l'ensemble des taux de rémunération du personnel vacataire. Les tarifs des pigistes ont besoin de s'adapter aux nouvelles demandes de la ville en termes de communication. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on communique beaucoup par papier, mais aussi beaucoup en vidéo. Donc, il a fallu revoir ces normes tarifaires. Le tarif des pigistes, oui, le principal changement est l'intégration de la vidéo, comme je viens de le dire, tournage et montage, à diffuser sur les supports numériques de la ville, réseaux sociaux, sites de la ville. Il est proposé de mettre en place plusieurs tarifs. D'abord, prise de vue, forfait reportage photo actualisé à 38,37 euros de l'heure. Ce tarif existe déjà et couvre les reportages photo d'actualité, manifestations de la ville, demande spécifique pour le magazine, portrait des acteurs de la ville, chantier. Forfait reportage photo plus vidéo, 45 euros de l'heure. Ce forfait comprend la prise de vue de photos et des images vidéo sur le même sujet. Il est dans le même esprit des demandes de reportage photo, mais complété par de la vidéo. Forfait vidéo actualisé, 38,37 euros de l'heure. Ce forfait inclut les demandes spécifiques de vidéos sans photo. Cela peut être sur des aménagements urbains, des ambiances de saisonnières, des interviews, micro-trottoirs. Nous avons d'abord vu la prise de vue, maintenant nous allons voir le montage vidéo. Le montage vidéo est nécessaire à la qualité de la vidéo, bien sûr. Il demande du temps pour d'abord sélectionner les images, assembler les images sélectionnées pour retransmettre le message souhaité, ajouter de la musique, des sous-titres. Alors, forfait montage simple vidéo, 40 euros de l'heure. Ce forfait s'ajoute au forfait des prises de vue commandées. Il peut également être utilisé pour des images fournies par la direction de la communication. Forfait thématique de montage vidéo, 55 euros de l'heure. Ce forfait permet de regrouper le montage vidéo de plusieurs déplacements. Par exemple, une thématique week-end de sport à Guyancourt sur le montage d'un film à partir des prises de vue dans les différents sites de la ville sur un week-end. Parallèlement, tous les taux de rémunération liés aux droits d'utilisation sont supprimés. Les taux des pigistes journalistes demeurent inchangés. Les tarifs des pigistes s'appliqueront à compter du 1er juillet 2021 et demeurent indexés sur la valeur du point. Il est demandé au conseil municipal de délibérer afin d'approuver le tarif des pigistes appliqué à partir du 1er juillet 2021. Vous aurez en annexe tous les détails. En fin de compte, c'est assez technique, c'est par rapport à leur rémunération, en fin de compte. Vous allez, je ne sais pas s'il y a des questions à ce sujet. Monsieur Barry. Oui, pareil, une demande de précision. C'est un sujet qu'on avait abordé, monsieur le maire, ensemble, sur les droits photos. Pour ma bonne compréhension, est-ce que dans ce nouvel accord, dans cette nouvelle tarification, les droits à l'image, enfin les, pas les droits à l'image, les droits photos reviennent à la mairie ou pas? Oui, monsieur Barry. D'accord, ok, merci. Avez-vous d'autres questions? Non? Alors on passe au vote pour cette modification de la rémunération des pigistes qui est pour.
Unanimité, je vous remercie. Et je crois que c'est fini pour toi, Roger. Et on va passer au point jeunesse avec Richard Mézières. Oui, bonsoir. Mais permettez-moi, avant d'évoquer la délibération, de féliciter nos jeunes Guyon-Courtois, nos jeunes bacheliers, jeunes Guyon-Courtois qui sont bacheliers ce soir, et de souhaiter réussite aux quelques-uns qui vont aller au rattrapage. En tous les cas, félicitations à tous. Et je voulais souhaiter bonnes vacances à tous nos élèves de primaire, nos collégiens et nos lycéens. Et bon courage encore, bonne réussite à ceux qui restent encore à devoir travailler pour passer les épreuves de rattrapage. Mais les vacances arrivent, ça va faire du bien. Donc si on vient à mes délibérations, donc il s'agit de deux délibérations que je vous présente ce soir. Une première sur la création du Conseil des jeunes et une seconde sur la charte de ce Conseil des jeunes. Comme vous le savez, la ville de Guyon-Court a toujours été attentive à la prise en compte de la parole de l'enfant et des jeunes. Pour preuve, nous sommes ville amie des enfants depuis 2006 et nous venons de fêter les 30 ans de notre CME avec l'élection du 16e mandat dont M. le maire a parlé en début de conseil municipal. Dans la continuité de poursuivre l'accompagnement des jeunes à s'investir dans la vie locale et à l'inciter à prendre part comme un véritable porteur de projet en direction des autres et de sa ville, nous proposons donc la création d'une entité participative en direction des jeunes, âgés de 13 à 20 ans. Donc un conseil des jeunes pour les 4e, 3e, que nous appellerons le team.jeune, et un conseil des jeunes pour les lycéens et étudiants, le team phare jeunesse. Chaque entité sera composée d'une vingtaine de jeunes. Les objectifs, j'en rappelle quelques principaux, mais vous les trouvez dans la note de ce conseil municipal pour les autres. C'est bien sûr être le relais de l'ensemble des jeunes de Guyon-Court, permettre aux jeunes de participer activement et de façon citoyenne à la vie de la commune, permettre la réalisation de projets concrets portés par les jeunes tout en prenant en compte l'intérêt général, favoriser la reconnaissance des jeunes dans la vie locale, en étant consulté par les élus dans le cadre de réflexion de projets menés par la ville. Les conditions d'inscription pour participer à ces conseils de jeunes, c'est bien sûr être volontaire, motivé. On s'engage avec un engagement pour une durée d'un an renouvelable, bien sûr habiter Guyon-Court et signer la charte du Conseil des jeunes qui était proposée en annexe. Donc si vous en êtes d'accord, il est demandé au Conseil municipal d'approuver la création de ce Conseil des jeunes. Et d'approuver la charte du Conseil des jeunes. Donc deux délibérations ce soir. Merci Richard. Avez-vous des questions sur d'abord la création de ce Conseil des jeunes, puis sur l'approbation de cette charte? A priori non. Donc première délibération, il s'agit d'approuver la création du Conseil des jeunes. Qui est pour ? Unanimité, je vous remercie. Et deuxième délibération, d'approuver la charte du Conseil des jeunes. Qui est pour ? Unanimité, je vous remercie. Et je crois que nous avons une déclaration. Nathalie. Il y a encore un point, excuse-moi. Ce conseil des jeunes pourra être mis en place à la rentrée de septembre. Une deuxième... L'aide au projet. Pardon ? Voilà, une deuxième, il s'agit encore une fois de deux délibérations ce soir. Donc une première délibération sur la mise en place d'un dispositif d'aide au projet et une seconde sur le règlement de ce dispositif. Donc toujours dans le cadre de notre priorité municipale en faveur de la jeunesse, dont la finalité est d'aider le jeune à construire son avenir et devenir des citoyens autonomes et solidaires, nous vous proposons la création d'un dispositif d'aide au projet pour les jeunes de 15 à 25 ans. Ce dispositif a pour objectif d'aider financièrement, en plus du suivi méthodologique et technique déjà mis en place par les équipes de phare, d'aider le jeune Guyon-Courtois à réaliser des projets innovants à caractère citoyen et solidaire, des projets à caractère social, éducatif, culturel, sportif ou de loisirs, et de lui permettre d'être pleinement acteur de ses idées. Donc les jeunes demandeurs présenteront leur dossier devant une commission qui se réunira une fois par semestre, commission dans laquelle on retrouvera deux représentants du Conseil des jeunes dont nous venons de valider la création. Cette commission sera composée en plus du maire et ou de son adjoint, de la directrice de l'éducation et ou de son responsable de service jeunesse, de deux représentants du phare et les deux représentants du Conseil des jeunes dont je viens de parler. Et des membres invités, bien sûr, en fonction du type de sujet.
La commission étudiera le dossier selon plusieurs critères, l'équilibre financier entre les dépenses et les recettes du projet, l'originalité du projet, la motivation, la qualité du dossier d'instruction, la qualité d'instruction du dossier, et bien sûr la présentation qui en sera faite en commission. Et puis un dernier critère, c'est la pertinence du projet au regard du territoire et son ancrage sur le territoire. L'aide accordée pour le projet sera plafonnée à 400 euros. Elle pourra être exceptionnellement réévaluée en fonction du type de projet. Et nous reviendrons vers vous, vers le conseil municipal, pour délibérer sur cette aide financière, pour approuver son versement. L'objectif est de lancer cette aide au projet à la rentrée septembre 2021. Donc encore une fois, si vous en êtes d'accord, il est donc demandé à notre conseil municipal d'approuver ces deux délibérations. Une première sur la mise en place du dispositif d'aide au projet et une seconde sur le règlement de ce dispositif que vous trouvez en annexe de la note du conseil municipal. Merci Richard. Monsieur Mamed. Bonsoir à tous. Si un jeune avait un projet entrepreneurial, est-ce que ça rentre dans le cadre de ces aides au projet ou pas ? Dans le règlement intérieur du... Donc c'est bien sûr, tout projet est à but non lucratif. Hein. On finance un projet associatif. Bien sûr, le jeune sera accompagné par cette aide au projet pour créer son association dans le cadre de la conduite de son projet. Mais il faut savoir que ce reste un but non lucratif. Après, l'entrepreneuriat peut se faire dans l'association et dans la mise en place d'associations. Hein. Ali Ben Aboud. C'était juste pour remercier Richard pour avoir porté ce projet, parce que nous venons de vivre deux élections municipales, départementales et régionales. Et un des points clés qui a été montré, pointé de l'index, c'est que justement notre jeunesse à l'échelle nationale, malheureusement, ne s'est pas fortement mobilisée et ne s'est pas sentie concernée par ces échéances électorales. Ici, à Guyoncourt, Richard nous disait que nous étions pionniers pour le conseil municipal des enfants. Et aujourd'hui, ce sont des actions supplémentaires qui permettent de rendre nos jeunes acteurs de leurs projets, mais aussi acteurs dans leur ville, avec des objectifs pédagogiques et d'intérêt général. Et c'est pour ma part, je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet justement de les rattacher aux problèmes de la cité et de faire en sorte qu'ils soient des citoyens alertes et donc mobilisés, y compris dans les échéances que la démocratie leur donne. Merci Ali. Avez-vous d'autres interventions sur cette mise en place du dispositif aide au projet et l'approbation de son règlement? Non, donc deux délibérations encore une fois. Donc la première pour la mise en place du dispositif, qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Et deuxième délibération sur le règlement du dispositif, qui est pour? Unanimité également, je vous remercie. Et là, je crois que je ne me trompe pas. Juste, si je peux... Vas-y, je t'en prie. Comme pour la ressourcerie que nous avions mis dans notre programme municipal pour les élections, aujourd'hui, sur le programme jeunesse, qui était notre priorité, avec ces deux dispositifs dont on vient de voter la mise en place aujourd'hui, plus les séjours que nous avons mis en place, nous avons aussi bien mené, et dans un délai d'un an, une grosse partie de notre programme sur la priorité autour de la jeunesse. Merci au conseil municipal, en tous les cas, d'avoir participé et voté la mise en place de tout ça. Nathalie ? Non, il y a une intervention ? Monsieur Mamed, pardon. Non, je m'excuse, j'ai oublié une question importante. En termes de budget, qu'est-ce que vous avez prévu en termes de budget ? Est-ce que vous avez réussi à évaluer combien de demandes vous aurez et comment vous allez faire connaître ce dispositif que vous avez mis en place ? Sur l'aide au projet, comme c'est écrit dans la note et comme j'ai expliqué, c'est un montant de 400 euros
c'est le financement de 400 euros qui pourrait être proposé à chaque projet. Et donc, dans le budget, il y a un financement qui est proposé. Dans le budget 2020, on a déjà une enveloppe qui est réservée pour cet accompagnement et cette création de bourse au projet. Pardon ? Pour cette année, 2600 euros exactement. Donc Nathalie, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Déclaration du groupe Guyancourt pour tous et décidons ensemble à Guyancourt. Les jeunes Guyancourtois ont été parmi les plus touchés par la crise sanitaire, interruption de scolarité, isolement et parfois même précarisation. Si notre équipe municipale a toujours porté une attention particulière aux jeunes, il est aujourd'hui plus qu'essentiel de redoubler nos efforts pour les accompagner au mieux. La ville met ainsi en place de nouveaux dispositifs pour les soutenir dans leur insertion professionnelle et sociale, mais aussi dans leurs activités de loisirs. Le conseil municipal vient d'en approuver deux, le conseil des jeunes et les aides au projet, revus pour mieux s'adapter aux besoins et aux attentes. Ces dispositifs s'ajoutent aux actions déjà existantes. En matière d'orientation et de formation professionnelle, nous aidons les jeunes à s'orienter et à définir leur parcours professionnel. Le phare jeunesse est à leur disposition pour affiner leurs projets, trouver des stages, des contrats d'apprentissage ou pour faire acte de candidature. La ville continue elle-même d'accueillir des stagiaires comme des apprentis dans les services de la ville, que ce soit dans les crèches collectives ou au service des sports, par exemple. Un babysitting dating sera également organisé pour la première fois le 18 septembre prochain, un moyen facilité de trouver un job d'appoint. Après une annulation liée au Covid, une nouvelle édition du Forum des formations aux métiers est prévue en février prochain, en présence de représentants d'établissements scolaires, universitaires et professionnalisants. En matière de logement, nous travaillons avec le comité local pour le logement autonome des jeunes de 50 ans en Yvelines, qui accompagne les jeunes âgés de 18 à 30 ans dans leur recherche de logement. Nous veillons aussi à permettre aux étudiants de se loger dans des résidences dédiées. Après la livraison de la résidence de Segonzac, boulevard d'Alembert, de nouveaux logements étudiants sont en construction route de Trou. Ils accueilleront environ 150 résidents. Concernant les loisirs, enfin, le phare jeunesse propose des activités à vocation socio-éducative, culturelle et sportive. Lieu d'échange et de débat, il veut sensibiliser les jeunes aux thématiques qui les concernent, la santé, la culture, le sport, etc. Parmi les nouveautés, nous organisons en juillet prochain un séjour à la montagne. Deux groupes de la 6e à la terminale pourront profiter d'un séjour multi-activité encadré par des animateurs de la ville. À ce jour, de nombreux jeunes ne fréquentant pas encore nos structures se sont inscrits. Ce sera l'occasion de les sensibiliser aux actions et dispositifs mis en place par nos équipements municipaux, jeunesse, sportifs ou culturels. Notre ambition pour la jeunesse est constante. Notre objectif est d'aider les jeunes Guyancourtois à construire leur avenir et à devenir des citoyens autonomes et solidaires. Merci Nathalie. Tu n'oublieras pas non plus de nous donner le texte de ta déclaration. Point suivant, c'est un point éducation et plus précisément un point sur les accueils de loisirs. Je laisse donc la parole à Noémie Audouze. Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc, c'est une modification du règlement intérieur des accueils de loisirs pour la prochaine rentrée, donc 2021-2022. Ce règlement, il a pour objectif d'exposer aux parents le fonctionnement des différents services que sont l'accueil du matin, la pause méridienne, les études aménagées, l'accueil du soir, le mercredi et les périodes de vacances scolaires. Aujourd'hui, il est nécessaire de le mettre à jour pour prendre en compte des modifications de fonctionnement de ces différents temps d'accueil. En effet, la ville a généralisé les inscriptions aux activités périscolaires par le biais du portail famille, accessible à partir du site internet de la ville, pour la plupart des temps, sauf pour l'accueil du matin. Donc, jusqu'à présent, les parents pouvaient déposer leurs enfants sans les inscrire au préalable. Donc, à la prochaine rentrée, la ville souhaite proposer aux familles l'inscription sur ce portail au même titre que pour les autres temps périscolaires. Donc, ça apportera une meilleure cohérence dans la démarche d'inscription sur tous les temps d'accueil accessibles aux enfants. Et ça ne changera pas la facturation de l'accueil du matin, puisque ce sera encore un forfait selon le quotient familial.
pour la ville. Ça nous apportera une labellisation du temps d'accueil du matin en accueil de loisirs maternels auprès du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport et des services de la protection maternelle et infantile. Donc, une nouvelle convention sera proposée par la CAF, intégrant ce nouveau temps d'accueil et permettant ainsi le versement de la prestation. Par ailleurs, dans le règlement intérieur, on mentionne les différents supports de communication en direction des familles, puisqu'aujourd'hui, on envoie des SMS, des mails, et puis on va bientôt utiliser l'espace numérique de travail qui sera opérationnel dans les écoles courant d'année. En parallèle, on a ajouté sur le site de la ville une foire aux questions à propos de l'organisation de la restauration scolaire. Donc, c'est accessible sur le site de la ville. Et cette foire aux questions sera complétée pour les autres temps périscolaires au fil de l'eau. On ajoute également au règlement intérieur que lorsqu'un enfant est en situation de handicap, il peut bénéficier d'un accompagnement à partir du moment où il a un projet personnalisé de scolarisation avec un aménagement spécifique. Donc pour ça, il a juste à prendre contact avec la direction de l'éducation pour étudier ce qui peut être fait. Et enfin, on a rendu plus lisible le règlement intérieur par rapport aux modalités d'inscription, d'annulation et de facturation. Ultérieurement, on aura une nouvelle délibération par rapport à la convention avec la CAF pour le financement de l'accueil du matin. Donc, il est demandé au Conseil municipal de délibérer pour approuver ce règlement intérieur des accueils de loisirs 2021-2022. Merci Noémie. Donc, pour cette modification du règlement intérieur des accueils de loisirs pour l'année scolaire 2021-2022, avez-vous des questions ? Je pense que tu as été tout à fait exhaustive et complète, Noémie. Donc, on va passer au vote. Qui est pour ? Unanimité, je vous remercie. Alors, un point vie de quartier dont je vais me charger. Alors, vous le savez certainement, chaque année, les centres sociaux du Pont du Routoir et des Garennes, donc COSMA, organisent conjointement un séjour famille d'une durée d'une semaine. L'objectif de ces séjours est de favoriser le départ en vacances de familles en situation de précarité sur leur territoire d'action et de les accompagner dans une démarche de prise d'autonomie. Alors, la CAF des Yvelines met en place un dispositif qui s'appelle VACAF AVS, donc AVS voulant dire aide aux vacances sociales et non pas auxiliaire de vie scolaire, ayant pour objectif de permettre à une famille fragilisée de s'engager dans un projet de séjour pour un départ organisé par un porteur de projet labellisé VACAF AVS, donc par cette même CAF. Ce dispositif VACAF, il a pour but d'assurer les inscriptions des familles dans des centres de vacances, assurant un accueil avec hébergement et le financement auprès de ces organismes, selon un barème fixé par décision du conseil d'administration de la CAF des Yvelines. Alors, à travers ces deux centres sociaux, la ville de Guyancourt sollicite ce label de porteur de projet VACAF, AVS, qui lui permettra et qui permettra surtout aux familles de bénéficier d'une participation financière de la CAF des Yvelines, qui viendra donc en déduction du prix du séjour. Alors, techniquement, comment ça va se passer ? La participation donc, de la CAF sera versée directement à la structure conventionnée de centre de vacances d'accueil et elle viendra donc en déduction des recettes perçues par la ville au titre de l'inscription des familles au séjour. Mais parallèlement à cela, elle sera également déduite du coût payé par la ville au titre de la réservation du centre de vacances. Voilà. Et donc, c'est cette convention d'objectifs avec la CAF des Yvelines relative donc à ce dispositif VACAF AVS, aide aux vacances sociales, que nous vous proposons d'approuver ce soir. Avez-vous des questions ? Oui, Quentin. Juste pour dire que je trouve que c'est extrêmement salutaire comme mesure, et rappeler un chiffre qu'en France, dans un pays aussi développé que le nôtre, il y a encore un enfant sur trois qui ne part pas en vacances. Et donc le droit de partir en vacances, le droit de sortir de chez soi, le droit de voir d'autres paysages, un autre milieu, c'est un droit qui doit être mis en place. Et donc il faut des politiques publiques comme celle-là pour le rendre réel. Absolument. D'autres interventions ? Je ne crois pas. Alors on va voter. Qui est pour ?
Unanimité, je vous remercie. Nous passons au point suivant, qui est un point vie associative, et je crois que c'est Sylvain Levasseur qui nous le présente. Donc, c'est un point qui concerne la modification du règlement d'utilisation des salles des fêtes Louise Labbé et André Breton. Donc, ce sont deux salles des fêtes qui sont équipées d'un système de limitation du volume sonore. Et jusqu'alors, le système fonctionnait de la manière suivante. Les utilisateurs devaient régler la sonorisation à moins de 102 dBA. Je vous passe la subtilité avec les 118 dBC. Dans le cas contraire, le limiteur de son coupait l'alimentation de l'ensemble des prises de courant et des éclairages. Un témoin lumineux à trois couleurs signalait la progression du niveau sonore évalué sur une période de 15 minutes. En cas de coupure, le limiteur de son autorisait deux fois un redémarrage automatique des installations. Il n'y avait pas de remise en service automatique après la troisième coupure. Ce système de limitation, du fait du caractère définitif de la troisième coupure de courant, a généré des situations difficiles, tant pour les locataires privés d'électricité que pour les techniciens d'astreinte, contraints d'intervenir régulièrement la nuit pendant le week-end pour réarmer le dispositif. Les salles des fêtes familiales sont désormais équipées d'un système de sonorisation propre, complété d'un dispositif de limitation qui empêche le dépassement du seuil sonore autorisé sans toutefois générer les coupures de son ni d'électricité. Il convient donc de mettre à jour le règlement d'utilisation des salles des fêtes familiales Louise Labbé et André Breton au regard de ce nouvel aménagement. Divers points ont été ajoutés, un paragraphe descriptif du système de sonorisation, un autre point relatif à l'adaptation de la partie du paragraphe indiquant le fonctionnement et les modalités d'utilisation de l'ancien dispositif aux caractéristiques du nouveau dispositif, et l'insertion d'une mention sur le non-respect du présent règlement. Il est demandé au Conseil municipal de délibérer afin d'approuver le règlement d'utilisation actualisé des deux salles des fêtes familiales, Louise Labbé et André Breton. Et vous trouverez ce règlement en annexe 14. Merci à toi Sylvain. Avez-vous des questions sur ce point de modification du règlement d'utilisation des salles des fêtes Labbé Breton? Je ne crois pas. Alors, nous passons au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Et nous passons au point sport. Florence Coquart. Oui, bonsoir. Le premier point concerne la convention de coopération relative à l'organisation du live des Jeux. Donc, en tant que collectivité hôte, nous avons la possibilité, en partenariat avec Paris 2024, de nous inscrire au sein du dispositif du live des Jeux Paris 2024, qui a été pensé par le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024. L'objectif étant de vivre dès cet été, donc du 23 au 25 juillet, toute la ferveur et l'énergie des Jeux en suivant au Stade Baquet les épreuves de Tokyo sur écran géant, mais aussi en participant à des activités sportives, culturelles et éducatives auxquelles sont associées nos associations. Cet événement étant intégré, bien sûr, à notre programmation de Vive l'été 2021. Pour cela, la convention de coopération relative à l'organisation du Live des Jeux définit le cadre dans lequel la ville et Paris 2024 entendent collaborer. Sauf cas de force majeure, la convention prend effet à la date de la signature des parties et prend fin le 30 novembre 2021. Il nous est donc demandé de délibérer afin d'approuver les termes de la convention relative au Live des Jeux avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et d'autoriser le maire et son représentant à le signer, ainsi que tout acte y afférent. Merci Florence pour cette convention de coopération dans le cadre live des Jeux. Avez-vous des questions? Avec des événements dès cet été, hein? Tu nous rappelles les dates? Du 23 au 25 juillet, sachant que grâce à cette convention, on a aussi accès à des, je ne sais pas si on peut appeler ça des privilèges, mais en tout cas des choses particulières. On va aussi accueillir le Ping Tour, donc la caravane de tennis de table, et sans doute des athlètes de haut niveau grâce à cette coopération. Richard ? Et pardon, juste dire un complément, c'est que tous les enfants qui seront inscrits dans les accueils de loisirs pourront profiter de ces journées-là. Et donc c'est vrai que dans cette période où on est resté un peu enfermé sur nos structures, avoir des manifestations avec des événements un peu exceptionnels comme ça, ça va faire du bien à tout le monde. Et qu'on compte beaucoup pour les accueils de loisirs, qu'ils puissent avoir ces expériences et puis vivre le sport un peu de manière différente, différemment en tout cas. D'autres interventions? Non.
Alors, on va voter, du coup. Qui est pour ? Unanimité, je vous remercie. Tu as un deuxième point, je crois, Florence. Oui, le second point concerne l'école municipale des sports et la modification en conséquence de son règlement intérieur. L'EMS, elle a été créée en 1993 et au fil des années, elle a évolué en fonction des attentes des usagers. La dernière modification a été la catégorie d'âge d'accueil des enfants. Nous sommes passés de 6 à 10 ans à 5-8 ans pour répondre toujours pareil au mieux à nos usagers. Les modifications envisagées concernent aujourd'hui la mise en adéquation de la durée de pratique avec la catégorie d'âge des enfants, ainsi qu'une modification du nombre d'enfants par éducateur pour pratiquer dans de meilleures conditions, mais aussi une augmentation des activités pratiquées. La natation, qui était aussi proposée les années antérieures, pose des problèmes logistiques puisque la piscine n'est pas directement sur le stade Baquet et donc il est proposé de l'enlever. D'enlever cette activité, puisque par ailleurs, la ville déploie de très gros efforts en matière de natation scolaire. Je vous rappelle qu'en période hors Covid, tous les élèves ont chaque année un cycle de 10 séances de natation et pour les CP, un cycle de 20 séances, soit 60 séances sur leur année scolaire, leur année d'élémentaire. D'ailleurs, je n'ai pas rajouté les 10 séquences de maternelle en grande section. Et qu'il est préconisé dans les textes 3 à 4 séances de 10 à 12, 3 à 4 séquences de 10 à 12 séances, soit 30 à 40 séances. Donc on est à plus du double à Guyancourt. Le nouveau format de l'EMS a donc pour objectif permettre à plus d'enfants de pratiquer un plus grand nombre de sports dans de meilleures conditions d'accueil, favoriser la santé des enfants pour la pratique d'activités physiques et sportives, faciliter l'accès au sport pour les plus modestes et faire rayonner les associations sportives guyancourtoises. Pour répondre à ces objectifs, 180 enfants de 5 à 8 ans pourront être accueillis sur 6 groupes de 15 élèves, sur deux créneaux horaires maintenant, 16h45, 17h45 pour les 5-6 ans et 18h-19h pour les 7-8 ans. Les enfants pratiqueront 6 activités différentes sur 6 semaines chacune, l'activité athlétique, gymnique, d'adresse, d'opposition, collective et de raquette. 6 à 7 éducateurs sportifs qualifiés issus des effectifs municipaux ou mis à disposition par les associations ou recrutés comme vacataires de la ville seront partie prenante de cette EMS. Le coût de l'inscription sera de 110 euros et donc il est demandé ce soir au conseil municipal de délibérer afin d'approuver les modifications liées à la réorganisation de l'EMS, celle-ci devant être effective à la rentrée scolaire 2021 et d'approuver le règlement intérieur de l'EMS. Merci Florence. Avez-vous des questions sur cette nouvelle organisation ? Je n'en vois pas. Donc là, nous aussi, nous avons deux délibérations. L'une pour la nouvelle organisation de l'école municipale des sports et la seconde sur la modification du règlement intérieur. Donc pour la première, pour la nouvelle organisation, qui est pour ? Unanimité, je vous remercie. Pour la seconde, modification du règlement intérieur de l'EMS, qui est pour ? Unanimité, je vous remercie. Et je crois que Florence, c'est terminé pour toi. Nous passons au point finance avec Danielle, ma chère Zic. Bonjour à tous. Alors, le premier point finance concerne donc une décision modificative, comme nous le faisons tous les ans. Le vote du budget a eu lieu donc le 6 avril 2021. Or, le montant des dotations, des impôts locaux ou des compensations votées lors du budget sont des sommes estimées. Lorsque nous recevons donc les notifications, il est donc nécessaire d'ajuster ces sommes en votant une décision modificative. D'autre part, en investissement, nous devons tenir compte également du reversement de la taxe d'aménagement demandée par le Trésor public. Donc, vous avez ici le tableau des différentes sommes que nous avons dû ajuster. Les impôts locaux, notamment, que nous avons dû réduire de 70 000 euros, par rapport à notre estimation, la dotation globale de fonctionnement pour laquelle nous touchons 66 000 euros de plus, la dotation de solidarité urbaine, qui a varié d'environ 2 000 euros, la dotation de compensation dans le cadre de la taxe professionnelle
dont la notification est supérieure de 55 000 euros par rapport aux estimations. Les deux autres sommes sont des compensations sur les exonérations de la taxe d'habitation et de la taxe foncière, une en plus et une en moins. Comme Roger nous l'a présenté tout à l'heure, l'aide aux commerçants s'est élevée à 149 000 euros. Or, nous avions budgété 100 000 euros. Il est donc nécessaire, dans cette décision modificative, de rajouter une somme pour pouvoir payer donc ces commerçants. Alors, dans cette décision, nous avons donc indiqué 100 000 euros en dépenses et en recettes, en dépenses puisque nous avançons les fonds et en recettes puisque le département nous le reverse. Pourquoi 100 000 euros ? Pour couvrir d'une part le remboursement et puis également pour prévoir une éventuelle prolongation du dispositif. Au niveau des dépenses, nous avons diminué nos achats de restauration du fait, en fait, de la baisse de fréquentation. Et enfin, de 86 000 euros. Et enfin, les 83 000 euros que nous devons reverser à l'État correspond en fait à la différence entre ce que nous pouvons percevoir sur les amendes de stationnement et les amendes, l'ensemble des amendes en tout cas, et puis notre contribution à la mobilité Île-de-France. Or, cette année, cette contribution a été supérieure aux recettes que nous avons pu dégager sur notre stationnement et l'ensemble des amendes. Donc, nous devons reverser au Trésor 83 000 euros. Cette somme, cette contribution donc à Mobilité Île-de-France a été estimée par rapport à l'année 2018 et est restée stable. Donc aujourd'hui, effectivement, compte tenu de la situation sanitaire, les compensations de recettes pour ces amendes font que nous sommes en déficit et que nous devons reverser au Trésor public cette somme de 83 000 euros. Voilà. En ce qui concerne l'investissement, nous devons reverser au Trésor 129 000 euros, car il nous a versé, en faisant une erreur, cette somme en trop. Donc, nous devons lui reverser. Le dernier point, c'est simplement une erreur de compte. Donc, c'est juste une écriture passée d'un compte à un autre, d'études à travaux. Donc, il est demandé au Conseil municipal d'approuver la décision ci-dessus proposée. Avec tous les détails que tu nous as donnés. Avez-vous des questions ? Christian ? Peut-être juste un complément pour avoir siégé dans la commission finances sur les aspects stationnement. Ce dont on parle, si j'ai bonne mémoire, ce sont les stationnements d'infraction au code de la route. Ce n'est pas des stationnements avec des gens qui stationnaient dans des places autorisées et qui n'auraient pas payé leur prix de stationnement. Il était d'ailleurs gratuit, la ville l'avait rendu gratuit. Mais il s'agit d'infractions au code de la route. Et ce qui est quand même surprenant quand on a étudié le sujet là, en commission finance, c'est de constater que la redevance de l'Île-de-France est fixe, que la région n'a pas fait d'effort pour s'adapter à la crise sanitaire, elle n'a pas baissé la contribution fixe qui est basée sur 2018, alors qu'elle savait que, nécessairement, vu la baisse du trafic automobile, il y aurait moins de gens qui seraient en situation de contravention. Donc la commune se retrouve à compenser finalement des sommes qui vont atterrir, renflouer les caisses de la région. Je crois effectivement que tu as pointé un paradoxe, à minima. Voilà. Je ne sais pas si c'est un paradoxe, je ne sais pas si le mot s'applique bien d'ailleurs. Avez-vous des questions sur cette première délibération, sur décision modificative. Non, alors on vote. Qui est pour ? Unanimité, je vous remercie. Daniel, à toi. Le deuxième point concerne l'apurement d'un compte. Je vais être très rapide parce que c'est très technique. En fait, chaque collectivité, que ce soit le département, la région ou la commune, enregistre les opérations dans une certaine nomenclature. Ici, pour la commune M14,
Le but étant de passer dans un compte financier unique qui s'appelle M57. Ce compte qu'on doit apurer ne figure pas dans cette nomenclature, donc il s'agit de l'apurer, c'est-à-dire de le supprimer, pour un montant de 294,67 €. Et je vous propose d'entamer un long débat sur cette délibération qui est absolument limpide. Et je te remercie pour ta pédagogie, Daniel, sur cette délibération. Avez-vous des questions ? Je pose quand même ma question. Je ne crois pas. Donc on vote qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Les deux points suivants concernent les actions menées d'une part dans le cadre du Fonds de solidarité de la région Île-de-France et de la DSU, dotation de solidarité urbaine, que nous verrons ensuite. Donc ces deux fonds permettent l'amélioration de la vie des communes confrontées à une insuffisance et devant supporter des charges élevées. En ce qui concerne le Fonds de solidarité de la région Île-de-France, je vous rappelle que nous sommes à la fois contributeurs et bénéficiaires. En 2020, nous avons contribué à hauteur de 770 000 euros et nous avons bénéficié du fonds pour un montant de 442 000 euros. Le maire se doit donc de présenter un tableau récapitulatif des actions menées pour utilisation de ce fonds, ce qui est vrai également pour la dotation de solidarité urbaine. Donc nous allons avoir deux délibérations qui doivent nous permettre effectivement, nous allons prendre deux fois acte du tableau. Mais sur ce tableau figurent les deux montants, c'est-à-dire le fonds de solidarité, le fonds de la région Île-de-France et la DSU. Donc, dans ce tableau, vous avez l'ensemble des actions menées avec le coût total, les subventions que nous pouvons obtenir et, en dernier point, le coût qui reste à la ville. Or, ce qu'il est important de voir, c'est que nous pouvons prendre quelques exemples qui nous permettent de mettre l'accent sur notre politique éducative et envers la jeunesse. Par exemple, en ce qui concerne les études aménagées, le coût total est de 536 000 euros et le reste à la ville est de 327 000 euros. En ce qui concerne notre conseil municipal des enfants, dont nous avons fêté les 30 ans, le coût est de 103 euros et la ville participe à hauteur de 94 000 euros. De même, en ce qui concerne toutes les actions, projets, animations pour la jeunesse, le coût total est de 1 258 euros et le coût pour la ville est de 843 000 euros. Donc, on voit bien quelle est l'importance pour la ville de la jeunesse et de l'éducation. En ce qui concerne les travaux concernant les quartiers pour l'amélioration des cadres de vie, au niveau du centre-ville, le montant est de 1 200 000 euros. Ça correspond notamment aux deux salles d'arts martiaux. Pour les Saules, ça correspond au financement, à la fin du financement du Maïs des Saules et du gymnase des droits de l'homme et des travaux dans le gymnase des droits de l'homme. Pour les Garennes, les maisons de quartier. Pour le pont du Routoir, c'est la coulée verte et la place du marché. Pour Villaroy, les crèches d'Olto et le centre de loisirs d'Agobert. Pour l'Europe, le skatepark et le strike out. Pour le parc. Oui. Alors, je vais vous dire ça mieux. Le street work out. Voilà, c'est plus clair. Pour le parc, c'est la réhabilitation de l'école Robespierre. Et pour Bouvier, monsieur Chancelier, il s'agit de deux places PMR, de la réfection de la rue des Sangliers, la création d'une zone de stationnement rue Alivigier et l'anneau. Voilà.
Donc voilà quelques exemples de ce que nous avons fait pour améliorer le cadre de vie des différents quartiers. Donc il est demandé de prendre acte en ce qui concerne les actions menées grâce, financées en partie par le Fonds de solidarité de la région Île-de-France. Donc ta présentation était commune, bien évidemment, pour les deux délibérations, voilà. pour les deux prises d'acte, mais on doit effectivement les séparer. Vous pouvez bien entendu avoir des questions si vous le souhaitez, avant que nous ne prenions acte. Non ? Alors, dans un premier temps, pour la prise d'acte sur les actions menées dans le cadre du FSRIF, je vous propose de considérer que nous avons collectivement pris acte. Oui. Et de la même manière, pour les actions menées dans le cadre de la DSU. Je vous remercie. Et Daniela ? Alors, le dernier point concerne l'exonération de la taxe foncière. La suppression de la taxe d'habitation a entraîné une modification également du régime de la taxe foncière, notamment du fait du transfert de la part départementale aux communes. Celles-ci peuvent limiter l'exonération donc, de la base imposable à 40, 50, 60, 70, 80 ou 90%. Nous devons délibérer donc, pour déterminer le taux choisi. Pour des raisons d'équilibre, nous proposons de limiter l'exonération à 40% de la base imposable. En effet, ce taux, comme vous allez pouvoir le voir sur l'exemple, va permettre aux nouveaux propriétaires de payer un peu moins de taxes foncières et à la ville de conserver des recettes fiscales qui sont très importantes aujourd'hui et dont nous ne pouvons pas nous passer. D'autre part, si nous voulons effectivement maintenir un service aux habitants de qualité. Donc, nous avons pris un exemple qui est concerné les propriétaires. Non, c'est un peu pas très lisible de ce côté-là. De l'autre côté, c'est un peu plus lisible. Pour quelle période ? Dans les 2 ans qui suivent la construction. Ça concerne quel type de biens ? Les constructions neuves et les extensions. Par exemple, pour un logement d'une valeur locative cadastrale de 8 000 euros, sur laquelle nous avons eu un abattement de 50% pour tenir compte donc des charges éventuelles du propriétaire, la base imposable est donc de 4 000 euros après abattement. On a calculé la taxe foncière pour les constructions neuves et extensions pendant les 2 ans suivant leur achèvement. Avant la réforme, le département exonérait de la part départementale de la taxe foncière, ce qui veut dire que le propriétaire ne payait que la taxe foncière de la commune à hauteur de 802 euros, c'est-à-dire sa valeur locative par le taux de taxe foncière, 20,04%. Après la réforme et avec une exonération limitée à 40%, le nouveau propriétaire va donc payer 759 euros, c'est-à-dire à peu près 60 euros de moins. Le département ne prélève plus la taxe foncière et la commune, ayant exonéré donc de 40%, le propriétaire va payer 60% de sa valeur locative multiplié par le taux de la commune qui est devenu le taux de 20% plus le taux du département à 11,58%. Donc vous avez pour le propriétaire une baisse d'environ 60 euros avant et après donc cette modification fiscale. Nous avons donc permis aux propriétaires de payer un peu moins et permis à la commune, avec ce taux de 40%, de maintenir des recettes fiscales qui sont très importantes aujourd'hui pour équilibrer notre budget. Merci beaucoup, Daniel. Avez-vous des questions sur cette exonération de la taxe foncière ? Monsieur Chancelier. Oui, comme je suis membre de la commission des finances, j'ai émis un avis contre cette délibération lors de la commission des finances, car comme il est précisé dans la note, ce que j'ai appris moi-même, finalement la ville de Guyancourt
1993, avait décidé de ne pas exonérer l'ensemble des propriétaires de cette exonération possible de taxe foncière, ce qui fait que tous les propriétaires à Guyancourt payent la taxe foncière jusqu'à aujourd'hui, et que grâce à la loi de janvier 2021, pas grâce à la ville de Guyancourt, finalement, les propriétaires de Guyancourt vont avoir la joie d'être exonérés de 40% de cette taxe. Et moi, j'ai mis un avis négatif, et on en a discuté avec l'équipe. On pense que 60% aurait été un message incitatif pour les nouveaux propriétaires à Guyancourt, y compris ceux qui sont chers à la ville, de l'accession sociale à la propriété. On ne parle quand même pas de milliers de transactions sur Guyancourt. On parle de peut-être 50, 100 par an, 50, 70 par an en moyenne. Donc pour les finances de la ville, c'est pas, même si elles sont potentiellement tendues, même si à chaque budget vous nous dites que c'est finalement pas tendu, donc là on apprend qu'elles seraient quand même tendues. L'exonération pour les propriétaires est quelque chose de significatif. Pour la ville, c'est pas forcément énorme, et d'autant plus que ça ne dure que 2 ans. Donc là, on envoie un message auprès des futurs propriétaires de logements neufs, hein, puisqu'il s'agit bien que de logements neufs, hein, pas de transactions sur l'ancien, qui n'est pas très motivant et sur lequel la ville aurait pu éventuellement être encore plus différenciante peut-être par rapport aux communes voisines, parce qu'on m'a rétorqué qu'effectivement, qu'est-ce que font les communes voisines? Mais j'ai tendance à dire, on s'en moque, ce que font les communes voisines. Là, je parle de la promotion que Guyancourt aurait pu faire en adoptant une exonération qui ne représente encore une fois, à mon avis, pas grand-chose sur le budget global de la ville, mais par contre pour les propriétaires, si. Merci. Moi, je voudrais préciser à M. Chancelier, parce qu'on en a effectivement discuté en commission finances, M. Chancelier nous a donné l'exemple de l'immeuble de Villaroy, qui, effectivement, a priori, a du mal à vendre. Non, c'est Europe, je pense. C'est E08, rue de l'Ukraine. Rue de l'Ukraine, à l'Europe. À l'Europe. Ah oui, l'Europe. Qui a du mal à trouver preneur. Peut-être qu'effectivement, la ville aurait pu faire un effort, mais peut-être qu'on peut demander aussi aux promoteurs de faire des efforts sur le prix des mètres carrés des logements. Peut-être que l'agglo peut effectivement faire des efforts sur la vente de ses terrains pour que les logements soient moins chers aussi. C'est bien de demander des efforts à la ville, mais peut-être qu'il faut demander des efforts aussi aux autres participants. Et pour compléter, si tu le veux bien, Daniel, sur ce programme, je tiens à rassurer M. Chancelier, puisque nous atteignons maintenant la barre des 40% de réservataires sur ce programme. Et donc, je pense qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir quant au fait que nous aurons de nouveaux habitants sur ce programme de logement. Ali. Peut-être juste par rapport à ce programme, pour rappeler une petite particularité, j'ai eu l'occasion d'échanger avec les personnes qui s'occupent de ce programme. Pour eux, ils n'estiment absolument pas qu'il y ait de soucis. Bien au contraire, ils disent que finalement, s'ils font le corollaire par rapport à ce qu'ils ont l'habitude ailleurs, c'est même très bien, ça se vend même très bien ici, sur Guyancourt. En fait, cet organisme a la particularité de vouloir avoir une maîtrise parfaite de la communication, de comment on communique l'information, contrairement aux autres qui font un petit peu une diffusion sur les différents supports. Et c'est ce qui fait qu'eux, ils veulent avoir cette maîtrise. Par ailleurs, les autres programmes, bien souvent, nous avons les Guyancourtois et les autres, et puis ensuite, on a les investisseurs qui viennent bien après coup. Or là, il y a ce tassement, mais en réalité, c'est quelque chose qu'ils estiment totalement normal, et le programme, il répond parfaitement en termes de pourcentage de vente aux exigences souhaitées par ceux qui l'ont mis en place. Avez-vous d'autres interventions sur ce point? Non? Alors, pour les 40%. Alors, nous votons. Qui est pour? Qui s'abstient?
Qui est contre? Donc 5 contre et le reste pour. Merci Daniel. Alors avant de passer au point suivant, je vais faire une petite parenthèse et je tiens à saluer, puisque ce sont les derniers points qui auront été préparés avec Daniel et ses prédécesseurs par notre directeur des finances qui va nous quitter très bientôt. Et je voulais saluer le travail pour la ville de Guyancourt de Martin Guignot qui va rejoindre des climats probablement plus doux que chez nous. Merci à vous Martin. Et je cède la parole à Ali Benaboud pour le point urbanisme. Oui, monsieur le maire, un point dans une approche d'optimisation du patrimoine de la ville. Nous avons souhaité céder 2 pavillons en propriété bâtie qui sont à ce jour libres de toute occupation. Il s'agit donc de 2 pavillons, un situé à la parcelle cadastrée AM numéro 50, qui est donc situé au sol au 6 rue Henri Matisse, avec une superficie de 96 mètres carrés sur un terrain de 179 mètres carrés. Et le deuxième pavillon est situé au Garennes, au 32 rue Maurice Ravel, et donc sur une superficie de 89 mètres carrés et un terrain de 240 mètres carrés. Ces biens faisant partie du domaine privé de la ville, il n'est donc pas nécessaire pour les céder de procéder à une désaffectation ou déclassement que nous avions l'habitude de faire jusqu'à présent quand il s'agit de biens publics. La vente de ces biens se fait sur... donc on a mis en place un processus et en première étape, il y a donc estimation de la direction départementale des finances publiques des Yvelines. Donc vous avez les annexes, c'est l'annexe 19 et l'annexe 20. J'en rappelle juste 2 éléments clés. Pour la rue Henri Matisse, l'estimation est de 350 000 euros. Et pour le 32 rue Maurice Ravel, nous avons une estimation qui est à 365 000 euros. Et donc, bien évidemment, ces prix sont fixés avec une marge de plus ou moins 15%. Tel que stipulé par la loi en la matière. La commune, donc, une fois cette estimation faite, a procédé à une approche pour recourir à la médiation d'agences immobilières. Et nous avons donc proposé... donc, il y a eu 4 agences qui ont été saisies. Et à l'issue des réponses des 4 agences, c'est donc l'agence de Orpi Welk Home, qui est une agence guyancourtoise située à rue Eugène Viollet-le-Duc, donc on est à Europe, qui a été choisie pour procéder à la vente de ces biens. Je vous donne d'ores et déjà, dans un prochain conseil municipal, rendez-vous lorsque l'identité des acquéreurs auront été retenus et lorsque les prix de cession seront connus pour que nous confirmions ensemble ces éléments d'information dans un prochain conseil municipal. Rappelons au passage que, comme il est généralement d'usage, c'est que la commune prend à sa charge les diagnostics immobiliers nécessaires à ces ventes et que les acquéreurs, bien évidemment, auront à leur charge la commission d'agence ainsi que les frais d'actes, droits d'enregistrement et d'honoraires. Voilà. Eu égard donc à ce point, ce qui est demandé donc au conseil municipal, c'est de délibérer afin d'approuver bien évidemment la vente de ces pavillons, au 6 rue Henri Matisse et au 32 rue Maurice Ravel, qui, je le rappelle, sont libres de toute occupation, d'approuver bien évidemment le recours à la médiation par une agence immobilière afin de lui confier donc cette procédure de détermination et d'accompagnement des acquéreurs jusqu'à la signature des actes authentiques notariés, de mandater conformément à ce que j'ai précisé tout à l'heure l'agence Orpi Welk Home donc pour réaliser cette mission de médiation,
d'approuver que les commissions d'agence ainsi que les frais d'acte soient à la charge des acquéreurs, de préciser qu'à l'issue de cette phase de recherche, l'identité des acquéreurs dont les offres auront été retenues ainsi que les prêts de cession seront confirmés par le conseil municipal, et enfin d'autoriser le maire ou son représentant à conduire sous son autorité les procédures de cession et à signer tous les actes et courriers nécessaires à ces opérations jusqu'à la confirmation de la cession par un conseil municipal à venir. Merci. Merci à toi, Ali. Monsieur Mamed. Je fais partie de la commission urbanisme. Je l'ai raté la dernière dû à un problème technique, donc je n'ai pas pu poser la question durant la commission. Donc je vais en profiter pour la poser ce soir. La seule question que je me pose quand je dis tout ça, c'est pourquoi vendez-vous ? Alors, je recommence, parce qu'elle est tellement courte, ma question, effectivement. Pourquoi désirez-vous vendre ? Alors, aussi courte est la question, pour le coup, la réponse, elle se trouve dans la première phrase que j'ai, avec laquelle j'ai commencé mon point. Je la répète, donc, cette phrase, dans le cadre d'une stratégie d'optimisation de notre patrimoine immobilier. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, cette stratégie d'optimisation du patrimoine immobilier ? Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque la ville a un patrimoine immobilier, il en résulte des charges, parce qu'il faut continuer à l'entretenir, à le surveiller, faire en sorte qu'il réponde toujours aux normes et éviter, par exemple, les intrusions. Veiller à ce qu'il ne se délabre pas, autrement dit, en fait, faire en sorte que notre patrimoine de la ville, et c'est une approche que l'on fait sur l'ensemble de nos patrimoines, c'est s'assurer que la valeur de nos biens soit toujours à la hauteur du bien que nous avons. Et donc, là, en l'occurrence, nous avons deux pavillons qui n'ont plus d'utilité, au sens que ils ne sont plus occupés, et donc simplement soyons faisons ça avec optimisation et donc vendons ces biens qui ne servent plus. Monsieur Barry. Alors moi je fais partie de cette commission également, j'y étais présent, on a pu échanger sur le sujet. J'ai juste une demande de précision qui n'était pas clair pour moi lors de la commission, parce que je n'ai pas posé la question de manière claire. Je vois sur l'avis que le domaine donne un avis, hein, puisqu'il est marqué avis du domaine, avec une marge assortie d'une marge d'appréciation de 15%, donc c'est plus ou moins 15%. À combien Orpi va afficher le prix de ces deux biens ? Ou à quel prix vous avez demandé qu'il soit affiché ? Alors, juste pour finir ma question, en fait, je pose la question parce qu'en fait, en regardant après la commission, j'ai regardé, vous savez, il y a un logiciel qui permet de voir les ventes qui se sont faites sur Guyancourt sur les 10 dernières années et sur toutes les villes du reste. Et la valeur est tout à fait correcte, mais elle donne l'impression qu'elle est légèrement basse. Et ceci dit, le domaine et les domaines en général ne surévaluent jamais les biens. Donc, est-ce que vous pensez le mettre, est-ce que le prix sera avec la marge de plus 15% ou est-ce qu'il sera au prix de l'avis du domaine ? Alors, votre étude, finalement, elle se base à peu près, enfin, l'approche que vous avez eue, c'est à peu près celle des domaines, à savoir que les domaines eux-mêmes s'appuient sur les différentes ventes qu'il y a eu lieu dans les temps passés, et c'est ce qui leur permet de définir le montant, et c'est pour ça qu'ils nous ont défini donc 360 000 et 350. Cela étant dit, ils prennent en considération le fait qu'il peut y avoir en effet une marge, et c'est la raison pour laquelle le législateur nous définit cette souplesse, cette marge dans laquelle on peut se positionner à plus ou moins 15%. Maintenant, comment nous allons faire ? En fait, c'est le travail, justement, et c'est pour ça que nous mandatons, nous avons préféré mandater une agence immobilière. C'est à elle de mettre en valeur, et c'est parmi les exigences que nous lui avons demandées, de mettre en valeur le bien, pour en rapporter le maximum à la ville de Guyancourt. Et finalement, c'est l'agence immobilière forte de son expertise sur le terrain,
forte de sa connaissance des prix de vente et des différents biens, qui va, en fonction des offres qu'elle a, arriver à définir et à nous proposer le prix, finalement, que nous partagerons ensemble dans un prochain conseil municipal, et qui devra se situer dans ces plus ou moins 15%. Donc, si on part du postulat qu'il est bas, immanquablement que nous serons plutôt dans la fourchette supérieure. Si, à contrario, le prix des domaines est surestimé, eh bien, en conséquence, nous serons plutôt dans la marge inférieure. Voilà, mais c'est plus ou moins 15%, c'est le travail de l'accompagnement, et c'est pour ça que nous avons voulu avoir cette agence, afin d'optimiser au maximum le retour, enfin, si je puis dire, le retour sur investissement, en tout cas, la vente, le prix escompté pour l'aiguillon courtois. Je souscris évidemment à ce que vient de dire Ali Benaboud. Ce que l'on peut dire de manière plus précise pour ces deux biens spécifiques, c'est que très probablement, c'est la première solution qu'a évoquée Ali Benaboud qui sera retenue, bien évidemment. On ne peut pas considérer que les estimations des domaines pour ces deux biens soient surélevées. Voilà. Avez-vous d'autres questions ? Je ne crois pas. Donc, nous passons au vote. Donc, pour la cession de ces deux logements, en passant par Orpi et tout ce qu'a évoqué Ali Benaboud, qui est pour... Unanimité, je vous remercie. Tu n'avais qu'un point, Ali, je crois. Et donc, dernier point, il s'agit de tranquillité publique et je vais m'en charger. C'est un point qui concerne la convention de coordination de la police municipale de Guyancourt et des forces de sécurité de l'État, en l'occurrence les forces de police nationale. Alors, vous le savez, la police municipale et la circonscription de sécurité publique, en l'occurrence commissariat de police nationale, ont vocation, dans le respect de leurs compétences propres, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune. Alors, une première convention avait été signée en décembre 2014, actualisée en 2018. Et cette convention, il convient de la renouveler et de la mettre à jour une nouvelle fois, notamment en précisant un certain nombre de points qui sont la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale et les modalités de coordination avec celles des forces de sécurité de l'État. Et une magnifique illustration que nous aurons très prochainement sera pour notre 13 juillet, hein, puisque ces deux forces de police vont devoir, bien évidemment, travailler ensemble, comme à chaque fois que nous avons ce type de manifestation importante sur le territoire de la ville. Voilà, et donc c'est cette convention que je vous demande d'approuver ce soir. Alors, allons-y. Donc, pour cette convention, qui est pour ? Unanimité, je vous remercie. Alors, nous avions, sauf erreur de ma part, des déclarations de fin de conseil. Je vais les reprendre dans le même ordre qu'elles ont été proposées. Et, Madame Christophe, je vous donne donc la parole. Oui, merci, Monsieur le maire. Ah, excusez-moi, Christian. Oui, juste avant, si vous me permettez, madame, en restant dans le conseil, je voulais juste, je me faisais une réflexion que je souhaitais partager un peu, c'est que si on prend un tout petit peu de recul et qu'on regarde la majorité des points qui ont été présentés ce soir, ce qui sous-tend finalement l'ensemble des mesures, je vais juste les citer très rapidement, je serai court. C'est le vivre ensemble pour moi, et c'est ça qui assure une certaine cohérence, enfin qui sous-tend la cohérence de ce que l'on cherche à mener, que ce soit le financement de la jeunesse, 843 kilo-euros, j'ai noté au vol, le conseil jeune est très concrètement un premier séjour dès le début de l'été, que ce soit les animations de Vive l'été, gratuites, disponibles pour tout le monde, que ce soit l'aide aux familles par rapport aux vacances, que ce soit la découverte sportive pour les jeunes, que ce soit même la ressourcerie, qui certes est de l'économie circulaire, mais qui permet quand même d'acquérir des biens beaucoup moins chers pour les gens qui leur donneront une deuxième vie. Je trouve qu'on a ce soir une illustration de ce que l'on appelle le vivre ensemble pour moi et que je soutiens. Merci à toi. Et donc, Madame Christophe. Oui, merci.
Donc c'est une déclaration suite aux élections départementales et régionales du 20 et 27 juin 2021. Donc les 20 et 27 juin derniers ont eu lieu les élections départementales et régionales en France et nous devons collectivement en tirer certains enseignements. Premier enseignement, la forte abstention qu'a connue ce scrutin tant en France qu'à Guyancourt. 65% d'abstention à Guyancourt au second tour des départementales. Ceci nous oblige à accentuer notre présence sur le terrain pour écouter, échanger et débattre avec nos concitoyens. Tous les efforts pour renouer le lien entre les élus et les citoyens doivent être menés. Nous ne devons pas accepter comme une fatalité l'abstention et nous appelons tous les élus à une remise en cause profonde. Plus de démocratie participative, plus de pédagogie, plus d'écoute, et nous encourageons la majorité actuelle à Guyancourt à considérer attentivement cette problématique. Le second enseignement est que la majorité municipale est mise à mal au vu des résultats des départementales sur notre commune. Effectivement, avec 47% au premier tour pour le maire en place, contre 20,54% pour le Nouvel Élan, 19,29% pour la droite et 13,17% pour le Rassemblement national. En tout, c'est 53% des Guyancourtois et des Guyancourtoises qui votent pour d'autres listes. Ce résultat, malgré le contexte d'abstention, doit vous alerter et vous oblige à être plus encore à l'écoute de toute la population. La liste du Nouvel Élan à Guyancourt a tenu la promesse qu'elle avait faite durant la campagne, à savoir ne pas être dans une opposition systématique. Nous avons voté pour le premier budget présenté par votre majorité, ce qui représente un acte fort. Nous avons voté bon nombre de projets que vous nous avez proposés et nous avons émis des réserves pour certains autres. Nous avons été, nous sommes et nous serons un partenaire constructif dans l'intérêt de la ville et des Guyancourtois et des Guyancourtoises. C'est notre motivation. Un signe d'ouverture intéressant serait que cette majorité abandonne ses vieux réflexes de l'ancien monde politique en arrêtant de tout voir sous le prisme du sempiternel clivage gauche-droite et en nous classant et ne nous jugeant qu'à l'aune de nos positions nationales. Ce dogmatisme politique est exactement ce que nos concitoyens détestent et exècrent le plus en politique. Les intérêts locaux dépassent souvent nos visions respectives nationales. Et il serait urgent de le comprendre. Notre main est et sera toujours tendue pour travailler dans la concorde et la construction pour un Guyancourt toujours plus solidaire, plus écologique et plus participatif. Enfin, nous tenons à remercier tous les électeurs et toutes les électrices de Guyancourt qui nous ont réitéré leur confiance en nous portant comme la seconde force politique de la ville avec 20,54%. Cette confiance nous renforce et nous oblige. Cela nous motive à continuer à travailler notre vision progressiste. Merci. Merci, Madame Christophe. Vous n'oublierez pas de nous laisser votre analyse pour mettre en pièce jointe du Conseil. Monsieur Barry. Alors, cette déclaration fait suite au débat sur le pacte pour la transition du Conseil municipal du 1er juin 2021. Transition écologique ou transformation de société ? Point d'interrogation. Dans l'ordre du jour du Conseil municipal du 1er juin 2021, nous avions à voter, dans la rubrique transition écologique, une délibération relative à l'adoption d'un pacte pour la transition. À propos de ce document proposé dans une écriture inclusive qui n'a d'inclusive que le nom, tellement elle complexifie cette lecture, nuisant ainsi à sa compréhension, nous avons fait observer la différence entre l'intitulé de l'ordre du jour et le contenu de ce document. Si ce pacte de 8 pages traite d'éléments relatifs à la protection de la biodiversité et plus largement d'écologie, il aborde aussi des éléments relevant de l'action sociale,
voire des positions très tranchées sur une certaine vision de la société, d'où le titre interrogatif de notre déclaration. Notons aussi que de nombreuses actions relèvent de l'autorité de l'État ou de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc pas uniquement de l'action de Guyancourt. Nous avons eu à nous prononcer sur un document très engageant pour la commune. Quoi qu'aient pu en dire les différents intervenants de la majorité lors de ce débat, et de plus très complexe, trois principes transversaux, 32 mesures qui totalisent 51 niveaux, tout cela semble très technocratique et bien loin des priorités des Guyancourtois qui aspirent à sortir de la crise sanitaire qui les a pour certains durement frappés et sans doute à vivre une écologie plus pragmatique et pratique, telles que la propreté des rues, la conservation des arbres, la limitation des surfaces imperméables et de la bétonisation. N'en déplaise à certains membres de la majorité municipale, toujours prompts à donner des leçons ou déformer les propos, nous rappelons quelques points de ce texte démontrant son caractère très engageant et bien au-delà des problématiques liées à la transition écologique. Dès son introduction, il est question d'un plan d'action concrète, dans la mesure 5, d'appuyer, alors dans la mesure 5, je cite, hein, d'appuyer la création d'une coopérative de producteurs locaux jusqu'à son soutien financier, dans la mesure 20, de développer les habitats participatifs et les écolieux, dans la mesure 21, assurer l'accueil inconditionnel de tous dans les structures gérées par la commune, dans la mesure 26, de créer des dispositifs publics de premier accueil où pourraient se rendre librement les personnes étrangères à leur arrivée sur le territoire, quel que soit leur statut, et dans la mesure 28, la mise en place d'une constituante communale. Encore une fois, nous le redisons ici, ce pacte va bien au-delà de la transition écologique. Il est porteur d'engagements politiques et sociétaux sur lesquels les Guyancourtois devraient pouvoir se prononcer, pourquoi pas au travers d'un référendum d'initiative locale qui est prévu par la loi, c'est l'article 72-1 de alinéa 2 de la Constitution, lors de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. Lors du débat, M. Pareja jugea cela impossible. Le référendum aurait pu être un beau moment démocratique, l'occasion d'organiser de vrais débats publics sur les priorités de la politique écologique vraiment souhaitée par les habitants, les investissements qu'ils seraient prêts à en consentir, etc. Bien sûr, dès le Guyancourt magazine suivant, vous vous êtes emparé de notre position à ce pacte, à notre opposition à ce pacte, qui ferait de nous des adversaires de l'écologie. C'est le jeu, diront certains dans cette assistance. Mais de quel jeu parlez-vous ? Le jeu démocratique qui, avec 2700 voix sur 18 000 inscrits, vous a certes élu et nous ne le contestons pas. Mais vous donne-t-il toute légitimité pour imposer ce texte ? Sincèrement, vous devriez faire preuve de plus d'humilité. Nous restons concentrés sur les actions au niveau communal. Dans notre programme, nous proposions, entre autres, la nomination d'un maire adjoint en charge du développement durable, chargé d'étudier toutes les décisions prises par la municipalité quant à leurs impacts sur la biodiversité et le changement climatique. Quand nous indiquions toutes les décisions, nous entendions l'achat de véhicules, par exemple, l'achat de matériel, les projets de construction, le coût énergétique de chaque action de la ville et de son impact sur l'environnement. Nous proposions également la création d'une cuisine centrale permettant de maîtriser la transformation des différentes denrées issues des circuits courts et bio, avec une distribution pour les écoles, les centres de loisirs, pour le personnel municipal et pour les personnes isolées sous conditions de ressources. Nous réaffirmons l'engagement d'ensemble Agissons pour Guyancourt aux côtés des Guyancourtois, pour la préservation du bien commun, dans le respect des compétences dévolues à la ville et sans aucun esprit militant, pour une écologie réaliste, pragmatique, respectueuse des contraintes des Guyancourtois. Par cette déclaration, nous réaffirmons nos engagements concernant l'écologie, la protection de l'humanité et l'avenir de notre planète. Vous n'en avez pas le monopole. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur Barry. Vous nous donnerez également le texte de votre déclaration. Raphaël Defay. Oui, donc c'est une déclaration du groupe Guyancourt pour tous, décidons ensemble à Guyancourt. Les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin dernier se sont déroulées dans un climat national très difficile. Elles ont été marquées par une abstention considérable dans tout le pays comme à Guyancourt, où seuls 30% des électeurs ont accompli leur devoir civique. Ce désengagement citoyen a rendu compliqué l'organisation de ce double scrutin. Beaucoup de villes
ont eu des difficultés à trouver des assesseurs pour tenir leur bureau de vote et permettre à la démocratie de s'exprimer. C'était le cas à Guyancourt. Seul le binôme de notre maire et de Claire Lavenant a proposé une liste d'assesseurs titulaires et suppléants complète. Les autres candidats n'en ont fourni que très peu, voire aucun, comme le Rassemblement national, dont on attendait en réalité pas grand-chose. Pire, certains élus minoritaires, non empêchés pour des raisons de santé ou des motifs impérieux, ont préféré jouir de leur temps personnel au détriment de cet exercice démocratique. Rappelés à la loi, ils se sont finalement déplacés, mais pour une, deux ou trois heures. C'est une honte, disons-le, comparée aux heures déployées tout au long de la journée par certaines et certains élus et habitants impliqués. À l'issue du second tour, la droite yvelinoise et francilienne se sont donc vues confortées dans leur dessein. Aucune voix de gauche ne se fera entendre dans l'hémicycle départemental. Localement, à Guyancourt, 58,79% des votants ont choisi d'accorder leur suffrage à leur maire, François Morton, à sa colistière Claire Lavenant et à leurs remplaçants Cindy Mugerin et Guillaume Beuriot. Ils ont ainsi renouvelé leur confiance à l'équipe municipale qui porte depuis un an le projet de ville qu'ils ont démocratiquement choisi. Ce résultat nous engage vis-à-vis des Guyancourtois. Face à une droite hégémonique, nous resterons vigilants et veillerons à ce que les intérêts et les besoins des habitants soient entendus et pris en compte par la nouvelle assemblée départementale. Cette dernière devra rendre des comptes dans les domaines qui sont de ses compétences, l'action sociale, le logement, l'emploi, l'éducation, la transition écologique. Nous serons attentifs à ce qu'aucune décision ne prise les Guyancourtois des services publics de proximité qui sont légitimement en droit d'attendre du département. Merci Raphaël, et de la même manière, tu nous donneras le texte de ta déclaration. Alors, pour terminer ce conseil, les questions orales. Alors, je rappelle l'aspect réglementaire de ces questions orales. Et donc, conformément à l'article 6 du règlement intérieur du Conseil municipal, les conseillers municipaux ont la possibilité d'exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Les questions doivent parvenir au maire au moins 3 jours francs avant la séance. Et donc, le 30 juin dernier, M. Barry m'a fait parvenir 2 questions orales au nom du groupe Ensemble agissons pour Guyancourt. Je vous laisse les exposer, M. Barry. Alors, je n'ai pas le texte exact. Enfin, est-ce que vous mail. Souhaitez enfin, que je l'ai là. Sinon, je peux le lire, c'est comme vous voulez. Enfin, vous pouvez lire, mais le premier point, c'était d'avoir effectivement la liste exhaustive des logements, donc vous l'avez donné. Vous avez peut-être un complément d'information à apporter. Et la deuxième question, ça concerne les commissions municipales dans lesquelles nous n'avons qu'un seul membre et nous n'avons pas de suppléant. Et malheureusement, autant dans la majorité, quand vous avez une personne qui ne peut pas venir pour X raisons, vous avez toujours quelqu'un d'autre de votre groupe qui est représenté. Nous, malheureusement, quand une personne ne peut pas y aller pour X raisons, que ce soit de santé professionnelle ou autre, nous ne pouvons pas assister à cette commission. Donc je faisais aussi un petit rappel en vous remerciant, parce que pour les autres commissions, vous aviez accepté d'avoir des suppléants, et je vous en remercie. Donc ma question, c'était de savoir, est-ce que pour les commissions municipales, vous pouvez faire la même chose, c'est-à-dire nous donner la possibilité d'avoir un suppléant. Nous sommes d'accord que je ne reviens pas sur les logements de fonction. Voilà, d'accord. Vous avez un commentaire. Non, rien de plus, puisque je pense que on a répondu à la question. Je vais relire le texte exact de votre question, si vous le permettez, mais c'est à peu près ça. C'est M. Barry qui écrit, hein, je lis M. Barry. Le 7 janvier dernier, dans un échange de courriel avec votre cabinet, je vous avais demandé la possibilité d'avoir un suppléant dans chaque commission municipale. Bien que la loi ne l'oblige pas, cela permet de garantir la représentation proportionnelle. Notre groupe n'ayant qu'un membre dans chacune de ces commissions municipales, en cas d'absence, nous n'avons pas de possibilité de suppléance. Pourriez-vous accéder à notre demande en nous permettant d'avoir un suppléant dans chaque commission municipale ? Et donc, je vais répondre à votre question, M. Barry. Donc, je reprécise également le cadre réglementaire. Donc, le Code général des collectivités territoriales précise que l'élection de membres des commissions municipales se fait à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Ceci afin de garantir la représentativité des différents groupes issus des élections municipales. Le groupe Ensemble agissons pour Guyancourt, comme le groupe d'ailleurs Nouvel Élan à Guyancourt, a bien un membre dans chaque commission.
Cela aurait pu être un peu plus si les scores électoraux de ces listes avaient été différents. Alors, rien ne s'impose quant à la présence ou non de suppléants. Dans les faits, cela se pratique très peu, et en tout état de cause, la suppléance ne peut venir régler un problème d'organisation de groupe ou d'individu. Je rappelle aussi que les commissions municipales sont des organes qui n'ont pas voix délibérative, contrairement au conseil municipal au sein duquel nous siégeons tous. Elles donnent des avis qui peuvent ou non être suivis par notre instance plénière. Voilà. Donc, vous aurez probablement compris ma réponse en filigrane. Et donc, non, je n'accéderai pas à votre demande, puisque vous avez déjà un membre dans chaque commission. Mesdames et messieurs, ce conseil municipal est donc clos pour cette année. Merci à vous tous. Et si l'ensemble des conseillers municipaux ont encore une petite minute, je leur demanderai de rester assis. Merci. Je vous propose, puisqu'il ne pleut pas, que nous puissions boire un petit verre de l'amitié pour terminer.